C'est logique, c'est parce que c'est désactivé, parce que j'ai modifié tous mes trucs. Donc je disais merci à tous, bienvenue ce soir. Le colonel Dédé va gueuler avec la police, il va les remettre tous en place. Parce que toute la semaine nous sommes 15, 16, 17, mais c'est tout. Et là ce soir on est au taquet parce qu'il y a les promotions. Donc ce soir il n'y aura pas de promotion dans la police, tout simplement. Bienvenue, salut mon petit Tuche, comment il va, ma petite racaille préférée. Salut Jean Merguez, le nouveau modérateur en thèse de la chaîne. Et bonjour Lolo, bonjour tout le monde. Ouais, désolé, j'ai modifié un petit peu mon plan de travail. D'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est juste là. Voilà, j'ai rapproché mon micro de la bouche. Donc voilà, salut Zach, merci de ton abonnement, ça fait super plaisir les gars. Faites comme lui, abonnez-vous, followez la chaîne, n'hésitez pas, c'est merveilleux, c'est splendide, c'est beau. Merci mon petit Zach, merci à toi, ça fait super plaisir, merci mon poteau. Donc du coup, voilà, donc je suis pas très content de la police, voilà, et ça va s'entendre ce soir. Merci à tous, comme d'habitude, tous les jeudis soir, vous êtes encore plus nombreux que le reste de la semaine, donc c'est certainement pour une nouvelle promotion de la police. Bah écoutez... Passez le mot, partagez la chaîne, n'oubliez pas de venir sur YouTube, n'oubliez pas de venir sur Discord pour avoir les notifications de la mise en ligne de mes vidéos sur ma chaîne YouTube et du lancement de mes streams tout au long de la journée.
Merci aussi à ceux qui me suivent sur YouTube, parce que j'ai tendance à oublier sur YouTube. Merci de mettre un pouce bleu et de partager un maximum pour agrandir la communauté et de se retrouver tous, parce que le plus beau cadeau d'un streamer et d'un joueur, c'est de créer sa propre communauté, et c'est ce que j'essaie de faire avec vous. Voilà, merci à tous, bon live, faites vibrer le chat comme d'habitude, et bah, profitez-en un max, prenez du plaisir. Voilà, allez, c'est parti. Hunter Johnson. Ouais, tu m'écoutes. C'est quel squat, CPA et vous à tous du colonel, les chefs des squads, vous m'entendez? Je veux tous les chefs des squads dans la salle de réunion du bâtiment. C'est reçu, ministre compris. Si il veut. Respect, mon colonel. Salut, fiston, ça va ou quoi? Ça va et vous? Ouais, ça va. Je me suis permis d'enlever la main de ma tête. Vous discuterez. Ouais, j'avais bien fait. Parce que tu t'as pris un rhume, non? T'as pris un rhume? T'as pris un rhume? T'as pris un rhume? Salutations. Salutations. Il m'en manque deux. Il manque deux leaders. Quoi? Il manque deux leaders là. Il faut que tu enjambes, Gaëtan. Je sais que t'es. Voilà, par exemple. Ok. Ouais, alors non. Non. Non, pas comme ça, pas comme ça. La vie. Passe par là, là, passe par là. Sortez-moi de là. Bouge pas, bouge pas. Lève-toi, lève-toi. Voilà, lève-toi. On l'a, on l'a. Attends, bouge pas, arrête de bouger, arrête de bouger. Non, merde, on l'a embarqué. Et yes. Sortez-moi de là. Le ministre. Sortez-moi de là. Nom de Dieu. Jeff, tu l'as embarqué dans quoi? Ouais, Jackson. Je sais pas, le véhicule le plus proche de nous, j'imagine. Jackson. Est-ce que tu trouves ça normal? Entre nous. Nous qui sommes main dans la main chaque jour. Regarde. Est-ce que tu trouves normal que la police est au complète ce soir? Elle était pas complète hier, il me semble. Ni avant-hier, ni il y a 3 jours, ni il y a 4 jours, ni il y a 5 jours. Mais aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce que c'est ces putains de promotions. Mais attendez, arrêtez de bouger. Bon, ouais, c'est... les chefs des squads. Bonjour messieurs, colonel. Est-ce qu'il y a le général dans le coin? Bon, moi j'ai un problème les gars. Là. Bonjour général. Le général, je vais lui en parler un mot là. Je suis en voix faible. Est-ce que vous trouvez une... Est-ce que la police est belle? Non. Là oui. Là, ah, voilà. Là oui. Aujourd'hui oui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est tous là. Et pourquoi? Bon. Parce que pour eux c'est le jour de grâce. Alors j'espère pour vous que vous m'avez pas mis des mecs en promotion alors qu'ils sont pas là quoi. T'inquiète pas. Pas de promotion aussi. Les mecs qui sont pas là, pas de promotion. J'ai ma liste. Si je vois un mec qui n'était pas là de la semaine qui prend un grade, il se prend un dégrade. C'est intolérable que un jeudi soir on soit au taquet. Ouais parce que hier vous étiez 20, c'est ça? Non. Hier on était 20, avant-hier on était 16. Ouais. Il y a 3 jours on était 14. Attends Mac, on était combien quand on discutait par radio la dernière fois? Tu étais pas 18. 18. Bon, voilà. Donc ça me saoule, ça m'énerve, ça m'agace. C'est nous prendre pour des cons, enfin surtout le général et moi quoi, en fait. Ouais, ça a duré quoi, une semaine et demie, deux semaines depuis le général qui... Ah, on était pas mal... Quand je suis passé général pas tout seul, ils étaient deux semaines, ils étaient tout ça, et puis après... Et après, c'est parti. C'est bizarre, mais on est 7 effectifs de moins, et pourtant, il y a 10, facilement, au moins 10 personnes de moins en jeu, quoi. Donc, vous êtes tous officiers, à part Dumas, avec un Z, donc j'espère que vous allez faire votre boulot d'officier. Ouais, parce que sinon, moi, je ferai mon boulot de colonel, hein. Ça va être simple. Le problème, c'est quoi, du coup? Le problème, c'est... Oh, tu trouves pas la police qui est belle, là? Alors, manque de personnes la semaine. Moi, pour okay. Parler répondre à ça, le 20 à minuit n'est plus obligatoire chez Cobra. Et pourquoi? Non, mais alors ça, c'est pas possible, hein, Kanamo. Depuis quand c'est genre tu décides? Bah, c'est pareil pour toute la police, c'est pas juste pour Cobra. Ça a été vu, c'est en place depuis le début chez Cobra, c'est comme ça.
C'est marqué dans notre document qui est fourni. C'est le général Sherman à l'époque qui l'a autorisé, c'était marqué dans le d'accord, document. Bah... Les documents qui... Et bah comme j'ai déjà dit, Sherman c'est un général. Con, donc c'est pas la d'accord. peine. Si toute la police doit venir à 20h minuit, pourquoi ce cobra ça serait pas obligatoire? C'est-à-dire que 20h par semaine... C'est-à-dire que... D'accord, y'a pas de soucis, mais 7-4-28. Donc y'a deux soirs où ils peuvent pas être. Ah mais dans ce cas-là, tu leur dis que vous faites le maximum pour être là aux 20h minuit, et le reste, vous faites vos heures. Mais si vous êtes pas là, qu'ils le signalent, et qu'ils essayent d'être là, parce que là, bah regarde. Je crois qu'il y a encore un truc que j'ai pas été clair la dernière fois, c'est que Cobra Viper, vous êtes la même, hein. Vous commencez pas à me faire des règles différentes. En fait, vous êtes les mêmes unités, en fait. C'est ça. Donc les mêmes règles s'appliquent. C'est juste pour c'est plus simple de gérer les hommes avec deux escouades séparées, sinon ce serait une grosse escouade. Hein. Correct. Voilà. Vous avez de la chance. Genre, Viper, Trim et Cobra, ils sont pas là 20h minuit. Et je peux vous dire qu'heureusement que le commandant il est pas là parce que je pense qu'il gueulerait aussi. Par contre, mon colonel, je pense que pour cette semaine, on pourra être un peu plus indulgent étant donné que c'est quand même. Sur le continent pour la moitié des policiers, les examens. Non, mais je sais. Alors, mon petit Mike, je gueule, mais je suis intelligent quand même. Tu vois ce que je veux dire. Je m'en doute qu'il y a le bac du 4, du 7, du 14 au 21, je crois. Ou du 27 ou du 24, je sais plus combien. Même, il y a toutes les points finales et tout, là. Voilà, il y a les révisions, il y a tout ça, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, il n'y a pas de problème. Mais, ce sera dit. Oui, je suis d'accord, mais je préfère prévenir que... D'accord. Donc faites attention les gars, vous êtes lieutenant, vous n'êtes pas Dieu. Question, il est pas là, non, il est pas là le lead de Viper, non il est pas là. Non, ah pas si, il est là. Ah si, Kanamo, tiens Kanamo, je vais te poser une question. C'est toi qui as autorisé... Non, il est pas lead Viper, il est lead Viper provisoire les gars. Ils sont toujours lead dans leurs unités, ils ont juste switché pour voir leur capacité d'intégration. C'est juste ça non, en fait. Pas ça, mais en fait on m'a informé comme quoi quand il y avait peu d'effectifs... Les unités se permettaient de sortir des voitures banalisées parce voilà. que ils sont en sous-effectif et moi je leur dis c'est impossible ça parce que c'est simple. Déjà de 1 c'est le boulot de Syrah, de 2 la police doit être présente et s'affirmer. Si elle sait pas s'affirmer c'est que c'est des fiottes, ils ont rien à faire dans la police. Je vois pas quel est l'intérêt de sortir des VL banales en fait. Ça ne sert à rien. Pour la VL... Non, tu n'es pas dans ça. Bon allez. On y va. Il dit c'est fait, ça a gueulé, et c'est tout. Merde. J'adore les mettre en stress. Putain Mitchell, t'es à la bourre. Eh oui, je sais, colonel. On t'a le cul. Yop tout le monde. C'est juste qu'on vous a mis les licences d'hygiène alors que vous n'aviez pas à les avoir. Comment ça va sur le chat? Merci à tous d'être aussi nombreux. Et bienvenue à ceux qui n'ont pas follow et qui vont follow, je le sens. Je sens la musique du follow. Merci aussi à YouTube. Bonjour, merci YouTube de votre présence. Un petit pouce bleu. Merci. Vous êtes nombreux ce soir. On m'entend? A new follower. Allô, ça va? Ça va, général? Ça va bien. Bon. Remis un peu des émotions fortes de Molos. Ah ouais ça va. Salut Robin, bienvenue à tous, ah, merci d'avoir follow, faites c'est comme lui, n'hésitez pas les gars. Bon. Bon, écoute, on verra. Bonjour la police. Bonjour chers civils, chers candidats, chers futurs recrues, futurs démissionnaires et futurs virés. Bonjour les marshals. Vous m'entendez? Ils m'entendent pas. Bonjour les marshals. Bonjour les civils, bonjour les futurs recrues, bonjour les futurs virés, et bonjour les futurs nominés. Et on dit quoi? Bonjour. Mes respects mon colonel pour les policiers, et bonjour pour les autres. Ah. Ouais, quoi? M'entendez là, ou c'est moi qui vous foutez de ma gueule là? Putain les gars, et vous êtes de la police ou vous êtes de la DC là? Putain, mais sans déconner, c'est quoi cette police de fiottes là? C'est quoi ces serpillères qui se traînent devant moi avec un balai dans le fion? Sans déconner, vous voulez que je vous rapprenne les bases? Vous voulez tous repasser recrues? Est-ce que c'est une institution gouvernementale que j'ai devant moi? Non! J'ai l'impression d'avoir une société là!
Avec le patron qui vient et qui va distribuer des payes. M'expliquer pourquoi aujourd'hui, nous sommes 27 et le reste de la semaine, nous sommes 15, 16, 17. Parce que c'est les promotions ? Bah non, messieurs, dames. Aujourd'hui, ce n'est pas les promotions. C'est une remise en état. Parce que j'en ai ras-le-bol qu'on me prenne, moi, le général et l'état-major, pour des couillons. Donc vous resterez au garde à vous jusqu'à ce que je vous dis repos. Et toi, le ver de terre là-haut, reste pas sous le pamier, tu vas pousser. Bordel. Colonel, est-ce que je peux aller lui régler son compte, s'il vous plaît ? C'est encore eux, sérieux ? Hey, colonel, on vous écoute. On est au... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et Lombard, là. Ok ? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux aller le choper, mon colonel ? Non, on va rester là. Tu fermes du pis dessus, gros. Putain, Lombard. Lombard, t'es un homme recherché par la police. Et je te garantis que si ton chop... Vous avez fait des conneries, la police. Alors maintenant, on reste au garde-vous. Jusqu'à mes ordres. Inadmissible, de morceau. Une police... Qu'est-ce pour des... Garde-vous. Transmets. Tu te souviens des fumées qui étaient partout dans la BA hier ? Bah c'était eux. Si tu veux envoyer des unités, les dégommer. Je suis le roi de monde. Est-ce qu'il y a des unités qui sont prêtes à aller assaut et interpeller ces trois personnes ? J'ai un bouclier. Allez, gaz. Faites votre boulot, les gars. C'est eux qui ont fumé la BA. Bonne chance. Allez, bouge pas, on arrive. Vas-y, Mancouze. Vas-y, Mancouze. De manière tout à fait légale, j'en ai un aussi dans mon véhicule. Les gars, vous me les encerclez. Vas-y, j'en sais rien. Un seul qui s'enfuit. On t'attend ? On t'attend direct. On peut pas snack, on peut pas lynx. Vous êtes en zone sécurisée, les gars, vous avez le droit de tout. Bonjour. Ouais, j'ai des tasers, c'est plus simple. Salut, Van, ça va ou pas ? Ça va. Alors, t'as grossi les nichons ou pas ? Ils sont au niveau du shop avion. Bonjour, monsieur le colonel. Salut, Adrien. Ouais, ils sont en retard. Ça va, quoi. Ça va, bah encore dégoûté, tu vois. Pour, ça va pas. Pour la police, mais sinon, ça va. Bon, ça arrive, t'inquiète. Ouais. Ouais, je vais vous claquer. Alors, sur la pause de James Adam, je serai la suite, mais je peux bouger. Oh non, mais tu manques de rien. J'arrive. Encore le ski, il dort, non ? Attends. Oh. C'est qui là ? Non, je reconnais pas. Décale alors, décale les gars. Il y a un trou. C'est vrai de pas me reconnaître ? Barras ! Bah oui, bah attends. Y'a pas d'excuse. Ah, Barras. Parce que. Je me souviens même pas de moi. T'es un malade, toi ? Pas sûr. Ah ouais, c'est ça. T'es un malade toi, non, non. Bah tu sais pas tourner sur toi-même. Tu peux te mettre au repos. Bah, je... bah non, il avait pas dit repos non. On a la position. Ouais, mais sur James Adams. Bah je sais, mais bon, il inspirait la confiance. Y'en a un qui va avoir la PA là. Mal, c'est le colonel. Pour info, je vous entends, bande de nazes là-bas. Ça m'aurait pas plu. Et je vais vous défoncer. Elle colonel Romuald, c'est soit tu la boucles. Ah, tu prends tes télémètres. J'en ai pas. Au pire, je vais chercher mon arme. Je prends deux. C'est qui toi, c'est pas besoin d'armes. Pas besoin d'armes. J'arrive, James. Mec, mec, ouais, je t'appelle mec. Bon, hé hey, Lombard, soit tu respectes et tu restes là. Ils ont besoin d'armes. Mal. Ils sont où les marchands ? Nick, Nick, viens sur toi. La parole. Affi est en train de redescendre la rue là, ils partent vers leur véhicule. J'en ai un qui se dirige sur leur véhicule. Quelqu'un le blague. Bon, bon, cache-toi dans les maisons et on chope quand ils voient. Ok, on en a un. Donc Dédé a dit nickel. En face de toi, James, normalement. En noir et sac à dos. Ah, mais j'ai rien. Sûr, je suis derrière, juste le lâche pas. Je fais juste rappeler. J'étais au regard à vous tout à l'heure. Yo. Ouais, mon pote. Checker les maisons, moi je suis blessé, je vais me.
Vous pouvez me arrêter de m'escorter que je puisse bouger. Position 1. Allô, monsieur. Pas d'info. Monsieur. Vous avez pas un problème des cerveaux, monsieur? Zone carte. Ah, je reçois. Ah si, c'est bon, je t'entends. Peuple de OG là, Bandio. Moi je te tiens, tu vois pas que je te tiens hein. Ah, si, mais tu peux me détacher, je suis pas un mec, je veux pas me barrer, hein. Je suis pas un mec violent. Quoi. Bon, au mieux. Oh, salut, colonel. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, bah je dis bon, bien. Bon, c'est soit tu. Bonjour, ouais, eh ben écoute, ça m'a c'est. Ouais, un petit peu, ouais. Parce que ça s'appelle un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, t'inquiète. Voilà, c'est soit tu peux rester, tu respectes, il n'y a pas de soucis, ouais, ouais. Sinon ça part là-haut, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, t'inquiète, je prends pas mal. Je prends pas mal, t'inquiète. Des menottes mots, je me casse. Eux, je donne 20 000, je m'en fous. Pas du tout. Bon, allez, rassemblement pour tous là, vous les laissez courir, c'est bon. C'est réglé. Négatif. Les gars, vous recevez ? Vas-y, remets-toi dans les rangs, verra. Vous savez quoi? Non! Ouais, c'est vrai qu'il est. Ah voilà, vous avez vu? Ça, c'est du relationnel, les gars. C'est ça votre job. Faire respecter les lois par l'arme la plus forte de la police, la parole. Non. Ça marche pas toujours, hein. Bon, tout le monde est là? Non. Ouais. Il en manque un. Il en manque deux. Trois. Ils partent. Ouais, c'est bon, ça arrive. Allez. Général, il est pas là? Il arrive. Il donne des pictures. On est pas tous là, les mecs. Allez, bon, remettez en escouade. Les quais sont à droite. À gauche. J'ai un peu rouge. Yo Frost, yo Etienne, cette mandale. Hop, la foudre va lui tomber dessus, lol. De toute façon, sort en lynx, ouais, j'aimerais bien. C'est bon. Ministre est là, général est là. Bon, ça marche. Ouais, pour l'ensemble à mon commandement. Garde à vous. Police d'Alsis rassemblée à vos ordres, mon général. Repos. Bon, bonjour à tous et à toutes. Encore une fois une cérémonie, vous allez recevoir vos salaires à part au chef d'escouade normalement. Sous peu. On va commencer tout de suite par les recrutements, on va pas perdre de temps. Viper, je vous laisse commencer. Très bien. Général, colonel, monsieur le ministre, mes respects. Mes respects. Enfin, pour les prochains, on s'est déjà salué, pas besoin de le faire à chaque fois. Vas-y, repos. Les candidats Viper, s'il vous plaît, devant moi. Une ligne devant moi, s'il vous plaît. Alors, monsieur c'est Hunter pas trop Johnson, perdre de temps sur la série, je vais partir en patrouille. Kevin, Magnus, monsieur Virgil Cole, vous avez tous les trois été affectés sur pour canapé. Une semaine de test en tant que pilote ou dans les squads de Viper. Je crois qu'il y a quelques colonels qui vous font ça. Ça tient dans le limap. Ah, je vois ça, et 33. On est fini. Des fois plus que d'habitude. Ça reçu, merci. Donc, il y a Cobra, du coup. Une personne. Il y a autre super protéiné, les gars. C'est pas Cobra, c'est CPA, pardon. C'est mon repas du soir. Il y a autre super protéiné. Fais gaffe que j'ai récemment vu dans une série que ce genre de yaourt là, c'est nocif pour la santé. Bah ouais, mais bon, quand tu peux pas manger, faut mieux que tu manges quelque chose. Monsieur Akbar, vous avez été retenu pour rejoindre
J'sais plus... Ah oui, c'était ça, c'était genre les yaourts, c'était genre ce qu'ils faisaient pour avoir plus de protéines et tout, ça faisait du poison et genre ça faisait des insuffisances rénales et tu mourrais. C'est ça. Voilà, après, c'est sur le long terme donc. Moi, ça va, ça dure 5 jours. Ok, ça va. Il y a des points négatifs lors de votre test d'entrée qui n'ont pas plu à mes recruteurs, donc on va voir ce qu'on peut faire. Bah oui, hein. Si ça s'améliore pas. Vous... Bah oui, j'ai mon opération first. C'est merguez, il est passé mode. Merci. Pourquoi tu peux pas manger? Bah parce qu'en fait on m'a ouvert dans la gorge et on m'a retiré un caillou calcaire de 2 cm. Du coup j'ai. Voilà. Du coup je suis. J'ai plein de fils. Voilà. Ok, les recrutements c'est fait. T'as quelque chose à dire toi ou pas Cédric? Oui bah oui, on va gueuler. Ouais, on va gueuler. Ouais, mais qui commence déjà par nominer les gars. Des quoi? Ah des passagers ouais. Tu peux faire? Ouais. Bon allez-y les gars pour les chefs d'escouade. Ah pardon, excuse-moi. Tu prends pour qui d'abord? Je vais laisser les chefs des squads faire les débriefs de la semaine en global pour les squads et individuels. Et après on passera au débrief dans l'ensemble. Donc on va commencer. Désolé, moi les noms, moi je vois plein de trucs, mais. Ouais. Je prends les noms. Non, on s'est habitué, tu vois, on les fait plus rapidement maintenant, on perd pas de temps et tout. Alors, pour Cobra, messieurs, madame. Putain, j'ai un problème micro, je crois. Non c'est plutôt correct. Voilà. Donc, Cobra. J'ai Mike Obamo qui devient un solide de Cobra. Et donc félicitations. Frost. Ensuite, félicitations. Pour l'équipe Frost, je vais vous demander aussi. Guillaume Froger. Certains d'entre vous. Ah, putain, un peu plus il y avait un Frost avant que c'est pas quand même en poursuite avec un civil. C'était super longtemps. N'oubliez pas de vous voyez la personne, de ne pas lui parler non, c'est pas... très très mal comme vous pouvez le faire de temps en temps. Voilà, c'est une personne qui a peut-être rien à se reprocher, rien de grave. Et voilà, même lors de contrôle. Oh, ah, je sais que tu rigoles. T'inquiète. Ils peuvent se sentir attaqués, les pauvres civils. Voilà, tout simplement. Donc. Bah oui, les gars, Jackson, il est bodo. Là, t'as mis merguez. Ouais, j'ai un test. De quoi il s'étonne. Ça fait me penser à la bouffe. Du coup, Lacoste, tu m'as fait une semaine où tu n'étais pas spécialement là. Épicé ou sans épices? Projet à prendre un time out, j'ai pas compris. Pendant la deuxième partie de semaine, il y a eu des petits problèmes, on a pu parler. Donc, ce genre de problème, je veux plus que ça se reproduise. Et tu ne m'as pas fait les 20 heures dû à ton absence, donc tu restes au grade des brigadiers. Tu pourras retourner dans les rangs. Gadier Adams. Respect. Du coup, tu m'as fait une très bonne semaine, très bonne présence. Cependant, il y a eu un souci par rapport à un refus d'un ordre, tout simplement. Donc, tu as pris un avertissement 1, et suite à cet avertissement, tu ne monteras pas en grade cette semaine. Je compte sur toi pour continuer comme ça. Faire mais il est bon quand même de gueuler de temps en temps. Tout se passera pour le mieux. Ouais, ça détend. Tu peux retourner dans les rangs. Fais gaffe, tu vas faire sauter les points. Brigadier Vicos. J'ai ma trousse de couture si tu veux. Respect. Ok, Vicos, très bonne semaine dans l'ensemble. Je t'invite à continuer comme ça. Et tu passes au grade de brigadier chef. Bravo. 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 Félicitations. Si. Félicitations, je sais pas qui. Et Vicos, sur cette passage, merci pour ton dévouement pour devenir Central Cobra. Ça fait plaisir. Brigadier Forest. Ah oui, Forest. C'est la Octavia Blonde de Cobra. Ouais, très bonne semaine. Bah, ça fait. Attention d'être un peu plus réactif des fois sur les communications radio quand vous appelez. T'as une femme dans le jet? Ah. Non, c'est je sais pas qui c'est. Merci mon lieutenant. C'est notre quota. Bravo. Brigadier chef Alfred. C'est ça. Wesh le sang, ça va ou quoi? Respect. Du coup, Alfred, donc tu me fais du bon travail. Pareil pour la centrale, c'est du bon travail ce que tu me fais. Cependant, j'en attends encore un peu plus de toi. Essaye de pouvoir prendre de temps en temps plus d'initiatives et continue comme ça. Mais tu restes pour l'instant en grade de brigadier chef. Tu
peux retourner dans les rangs. T'es juste dans Ramsey. C'est pas mon lieutenant. Ramsey, une semaine plutôt correcte dans l'ensemble. Bah, j'ai rien à te reprocher, donc je t'invite à continuer comme ça. Et voici, tu peux retourner dans les rangs. Ah, aussi, merci mon lieutenant. Tu es dans Obamo. Mais respect mon lieutenant. Donc Obamo, donc comme je t'ai dit, je t'ai promis au grade de Solid Cobra. Donc j'attends de toi que tu m'épaules sur beaucoup de choses. Un peu expliquer ce que j'attendais de toi. Donc voilà, on va voir ce dont tu vas pouvoir m'apporter. Sinon au niveau de ton grade, donc tu passes au grade d'adjudant chef, tu me fais du très bon travail et je t'invite à continuer comme ça. C'est reçu, merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Félicitations. Merci de ta confiance. Pas mal ça. Chef Scott. Respect. Respect. Donc pour cette semaine, j'ai pas eu de retour spécialement négatif. Ta manière de lead me plaît toujours. Donc je t'invite à continuer comme ça. Les reproches que j'ai pu te faire, prends en compte. Je t'attends là-dessus. Et voilà, tu peux retourner dans les rangs. Après, merci, mon lieutenant. Colonel, monsieur le général, monsieur le ministre, j'en ai fini avec Cobra. Monsieur le général. Merci, maintenant. Monsieur le général, c'est comme ça que tu m'as appelé là. Ouais, c'est ça. Tu te fais vieux. Viper à vous. Pour les Vipers cette semaine, une bonne semaine malgré la perte, enfin la non-présence de certains effectifs. On s'est retrouvé assez peu nombreux les soirs. J'en ai fait partie pour des raisons continentales. Donc on a tous nos raisons. À ce niveau-là, j'ai trop rien à dire. Sinon, pour la prise de véhicules banalisée, je répète, il n'y a que Echo et Syrah qui sont autorisés. Même si vous n'êtes que deux, vous patrouillez en véhicule sérigraphié. Est-ce que c'est compris? Affirmatif. J'ai pas entendu. Affirmatif. Affirmatif. Merci. Donc on va commencer, monsieur James Ferrara. Tu te rapproches de moi, il y a un Gaëtan. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Tu te rapproches de moi, tu sais ce que ça veut dire. Je comble. Donc James, honnêtement, j'ai aucun retour sur toi, sur ta semaine. Tu n'as pas fait tes heures, tu m'as prévenu pourquoi tu n'as pas pu faire tes heures. J'en étais informé. C'est pour ça que je te laisse une deuxième chance. Tu as une deuxième semaine de recrue pour modifier tout ça. Tu m'as prévenu, tu me l'as dit, donc c'est compris. Merci. Allez, tu peux retourner dans les rangs. Brigadier. Salut mon petit Tiral, ça va ou quoi? Belle prestation. Ouais, c'est bien. Basketo, toutes les semaines je te le dis, gros problème au niveau des heures. Cette semaine, je passe pas. Ah, je te vois là, t'inquiète. Bah écoute, moi il est là. Il y a peut-être eu un souci, je suis allé vérifier tes fiches d'heures. Il y en a pas beaucoup. Il y en a un clochard. Bon ah ouais, non, mais sur le téléphone, moi je vois pas. Moi. Autant pour moi là. Donc, tu as fait du bon boulot. Les fois où je te vois, tu es présent, tu fais du bon taf. Donc, même dans tous les cas, on avait dit tu passes en tant que dernier chef. T'es trop loin là. Que ça va te donner une motivation nécessaire pour. Un futur Marshall là. Je vais aller faire le tour, je crois. Bravo. Quoi? Félicitations. Toi. Fusion. Bravo. Tu peux retourner dans les rangs. Tu veux les fusion, tiens. Putain. Brigadier, Général, il est énervé, moi je m'en vais. Major. Un général énervé, les gars, c'est pas bon. Je avec les meilleurs, mon colonel. Donc, ma colonel, il n'y a rien à dire. Bon boulot. Avec Ivar, en alpha. Il n'y a absolument rien à dire. Tu fais ton taf. Tu passes brigadier chef. Merci, Major. Bravo. Bravo. Félicitations. Oh. Mon garçon, tu circules ou t'en prends une? Oh. Allez, plus vite, on dégage.
Bah non, en fait. tu dors, bel outil. Ouais, t'as avec plaisir, mais non. Coûte trop cher. Enfin, je t'expliquerai. Donc, Bellucci, très bonne semaine. Tu lui montres un très bel investissement au niveau des formations, des programmes de formation que tu nous présentes. C'est du très bon travail. Ah, mais c'est que t'en as pris une en plus. C'est pour ça que tu es même officiellement formateur de l'escouade Viper. Tu te seras en charge des formations de base des nouvelles recrues. Merci. Félicitations. Voilà. J'attends de toi que tu t'imposes un peu plus en tant que leader si tu veux obtenir ce qu'on a parlé hier soir. Affirmatif. Voilà, donc on a eu la discussion en privé. Donc tu sais ce qu'il en tient maintenant. Tu peux retourner dans l'air. T'inquiète, il y a la sécurité civile qui est là. Adjudant chef agresse. Il a pris un stun dans la gueule. Non, c'est pas major. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il est commun le mec. Ah ouais, ça arrive. Bon, y'a rien à dire sur ton boulot. Hein. Tu... Ah ouais, il est commun. Tu sais prendre le lead, tu sais te faire respecter, tu sais te faire apprécier de tes collègues. Que je parle pas que de Viper, de toute la police. En général. Donc, continue comme ça, tu fais du. En général il est commun là-haut. Toi qui fais du mec que je viens de faire ça, qui dans ton investissement dans la police ou dans ton investissement en tant que recruteuse, c'est pareil. C'est énorme. Petit mot avant de terminer pour Viper. Regarde, il s'est relevé. J'attends à ce que les brigadiers et brigadiers chefs prennent la centrale dans Viper. Il y a quand même tout ça y a fait pas mal, de personne nommée. J'attends de vous. En fait, le stunt il met commun en fait. Mais pendant un petit moment. C'est reçu. Reçu. Merci. Parfait. Merci, Major. Merci, Major. J'en ai terminé. Super. C'est bien, Major. Très c'est bien. Alors, j'appelle la recrue Paras devant moi, s'il vous plaît. Respect. Le respect Paras. C'était ta première semaine au sein de CPA. Qu'en penses-tu? Bah, franchement, de mon côté, j'ai beaucoup aimé cette semaine. Je me fais chier, on n'aura pas de voler. Et bah, pour moi, je continuerai le plus longtemps que je peux dans la police et dans le CPA plus précisément. Ah, c'est pas grave, c'est pas une flèche lui non plus, il est rigolo. J'ai demandé à Martin. C'est l'essentiel. Bah, hier, t'as sur la poursuite de 2 heures, là c'était rigolo. C'est pas mal. Du bon bandage. C'est un bon élément pour le CPA. Le cru que j'ai joué au claquet chinois, avec mes dents. Par contre, va falloir quand même s'améliorer. J'ai joué aux claquettes chinoises à cause de Guédé. Comme il volait complètement bas. J'ai dû repeindre le fauteuil, mon fauteuil. Bon, j'ai rien d'autre à dire te concernant. T'as fini ta première semaine en tant que policier. Mais je vous la trouille. Bravo. Félicitations. Encore un viré. C'est ça, vous avez tout compris. Ouais, bah oui. Brigadier Michel. Oh putain, par contre, ça m'a défoncé l'estomac. Hein. Non. Du coup, c'était votre dernière semaine en tant que CPA. En CPA test. Oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Vous voulez toujours être CPA? Mathieu. Et Mitch. Ça, c'est les meilleurs mecs. Pas plus que affirmatif. Si, ma tête a pris cher. Pas bien, il y a la sécurité civile. Non, il y a en l'air. Par contre, si je revois encore celui-là, ce mec-là qui traîne et qui se rapproche de notre brigade, ça met toujours autant moi, je tirerai au pistolet. Hein. Parce qu'il faut surtout. Du coup, pourquoi. Oh, tu gars, merde. C'est bien, on doit pas vraiment te faire de remarques. Moi, je suis petit, ça. Du coup, je t'annonce que pistolet. Tu es actuellement officiel. J'ai la MP7. Donc, je t'invite à prendre des leads, à poser des questions à tes adjudants-chefs Follet ainsi que Monsieur Yuga pour te guider sur cette nouvelle lance. Sinon, merci. Pour moi, ce sera tout. Okay. Il y a d'autres avis. Oui, vas-y. Bravo. Félicitations. Moi, c'est la progéniture. Félicitations. Brigadier Kowalski devant moi. Bravo.
Quand on arrive à un certain âge, à 40 ans, on est content d'ouvrir des, ce genre de paquet de médicaments. Je vous posais la même question que Joker. Ça confirme qu'on est qu'on devient vieux. Je veux rester dans le CPR. Affirmatif, mais non. Malgré une présence un peu moins importante cette semaine. Tu trouves pas ça cool quand t'es endormi? Hein? Ça coule quand t'es endormi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Pas compris non plus. Après, tu es en train de faire reste là, tu crois tout quoi? De mon point de vue, ce sera un peu plus négatif, on va dire. J'ai remarqué avec plusieurs membres du CPA, quand t'es dans les dragons, EPDD. Tu sais pas ce qui se passe. Ton cerveau est déconnecté ou je sais pas ce que tu fais. Alors, Yuri, toi tu viens avec tes 50 000 comptes, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il vient avec Y Oulianov, il a été avec Seb 35, après Adrien. Ça peut nous être utile. Tu n'étais pas là aux entraînements, du coup, je t'invite aussi à t'entraîner de ton côté pour pallier au manque d'entraînement que tes collègues ont eu. Sinon, ta deuxième semaine de CPA est finie. Je t'annonce désormais que tu es accepté en tant que CPA. C'est pas grave, t'inquiète. Capable aussi de prendre des leads, du coup, comme ton confrère Michel. Tu demanderas des conseils à Follet et à Hugues. Et ce sera tout pour moi, tu peux retourner au rang. Merci. Bravo. Bravo. Félicitations. On est même pas 30, c'est une grosse blague. Ah, tu es en chef, Yuga. Ah, ça fait bizarre, personnellement. Bah, respect. Bah, respect, hein, tu es en chef. Cette semaine s'est passée comment pour toi, Yuga? J'ai pris pas mal de leads, comme d'habitude, je veux dire. Et bah, du coup, j'ai pu passer pas mal de temps avec Paras, qui est un bon élément selon moi. Ainsi que Joker et Kowalski qui sont maintenant officiels. Ouais, ça tombe bien, ouais. Et les Axama aussi, ouais. C'est pour ça qu'on a un chantier avec eux en fait. Il y a le bac et tout pour certains. Une prise de lead assez intensif. Du coup, maintenant je vais te demander de les laisser. Tu ne lead plus. Ou de temps en temps quand personne veut le prendre, bien évidemment. Mais t'essayes surtout de former les nouveaux. Donc, c'est-à-dire Kowalski et Mitchell. Ça, ils pourront lead correctement autant que toi. Tu étais aussi malheureusement pas présent à l'entraînement. Du coup, tu seras cette semaine testé sur le Delta Force, les posés. Je te conseille d'aller t'entraîner. Hein. On a vu la dernière fois que tu t'es posé en Delta Force ce que ça a donné. Du coup, voilà. Problème. Pour moi, ce sera tout. Tu peux retourner dans les rangs. Apprends à te poser en L4 dans la ville aussi, ça peut être pas mal. C'est quoi ça? Regarde. Ah, problème, mon général. Ah ouais, normal. Écoutez, général. C'est n'importe quoi. Ah, je suis ton chef, Follet, devant moi, s'il vous plaît. Regarde. Je peux postuler, même si la semaine prochaine il y a le bac. Mais bien sûr. Bien sûr, va venir. Regarde-moi ça. J'ai volé votre semaine en tant que CPA. Peut-être depuis longtemps CPA, mais un petit débriefing. C'est un minimum. Hein. Une simple question, ça fait quoi quand il stun sur un gars, sur un quad? Il se couche maintenant ou... Ouais, il se couche. Il dort. Comme c'est un véhicule. Comme si, comme la balle de M200 que j'ai mis hier. On entend pas Follet, mais il parle pas, donc c'est pas dérangeant. Ouais, non, alors ça, du coup, il faudrait prendre un peu plus de sens sur les mecs qui ont rien à voir. Comme ça, ça vous permettrait de voir si vous savez gérer des hommes. Et comme ça, on va clarifier ça et aider vos subordonnés à prendre des lits. Merci. Bien. J'ai perdu beaucoup de sang, moi. Ah, je sais. Ouais, on a perdu le colonel, mais en général. Bon, c'est bon. Attends. Mon général, il y a un civil devant en costard rouge qui a besoin de votre aide, un accueil. Moyenne, parce que j'en ai grande, n'était pas spécialement présent, le fait que mon absence était signalée. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas spécialement, à savoir les communications, à améliorer dans l'ensemble, la réactivité de même. De leur activité, vous donnez légèrement mou, les gars, ça ne va pas. Oui, ça me plaît pas. Sierra n'est pas mou, et c'est pas ce que je veux voir. Bref, on va passer à la suite. Bibi, en face de moi. Tu te balles, non, du caoutchouc. Parfait. Bah oui, j'entends bien. T'as Karimo qui veut revenir. Donc, comme j'ai dit, j'étais pas spécialement présent. Oui, Karimo a fait sa demande. Oui, pas bien sûr. Niveau de la semaine, toujours présent. Cependant, amélioration des commandes nécessaires.
t'améliores tes coms, il faut que tu sois plus direct, que t'ailles droit au but, pas besoin de passer par 40 chemins. Au niveau des coms, c'est à revoir. N'oublie pas, donc, évidemment, toujours rester appuyé sur sa radio jusqu'à la fin. Et information. Sur assez des mous. Tu vas être ban perm du chat, toi. C'est mon unité, les gars. On touche pas à mon unité. C'est la seule qui tourne bien. Basket en face de moi. Quand j'y suis. Respect, repos. Un travail dans l'ensemble correct. Toujours autant de présence. Ça fait plaisir. Au moins, certaines personnes ne perdent pas la main. Rien à redire. J'ai pas eu spécialement de remarques. Plus mis à part que tu dois être un peu plus patient et savoir te contrôler. La patience et le sang-froid, c'est l'atout d'un policier. On n'est pas là pour gueuler sur les civils ni pour les rebelles. On est là pour négocier. Faire régner la justice. Cependant, voilà. Comme je l'ai dit, un bon travail dans l'ensemble. Continue comme ça. C'est quoi cette invasion? Nick Nick en face de moi. C'est un nouvel racaille de Kavala. Respect, un repos. Eh, ça nous balance. Génial. Alors donc Nick Nick, un travail correct, même très correct. Tu fais ton boulot de sous-lead dans la BRF, c'est ce qui me plaît. Également, tu fais entre guillemets le boulot de sous-lead dans Sierra malgré que tu ne le sois pas. Et ce qui me fait plaisir, tu veux toujours aller plus haut, tu cherches à aller plus haut. Même avec la candidature de PC que toi et Casquette vous avez déposé, toujours pas eu de retour, bien évidemment. Tu crois qu'il va en avoir combien? Là, il en a eu deux. Un bon boulot. Deux? Continue comme ça. C'est normal, continuez, continuez. Ça, ça ne change rien. N'ayez pas peur, c'est normal. C'est exercice. Au niveau de la BRF, les gars, continuez votre boulot, vous faites ce que vous avez à faire. Soyez toujours à la vue. Et ce de même pour toute la police, hein, soyez toujours à la vue. Quelque chose avec. Quelque chose dans une entreprise qui ne va pas. Faites-le remonter à la BRF qui se chargera de tout le reste. Monsieur le ministre, mon général, mon colonel, j'en ai terminé. Mes respects. Ça marche maintenant, prenez votre place. Tu laisses la parole? Ouais. Bon, moi ça va être beaucoup moins gai. Messieurs, vous êtes... est-ce que vous êtes des bisounours? Est-ce que vous êtes... Si, vous êtes des bisounours. Est-ce que vous êtes des bisounours? Négatif. Alors arrêtez d'agir en bisounours. Je vous ai donné des règles. Je vous ai fixé des directions. Je vous ai donné votre façon d'agir. Appliquez-la. Vous avez encore peur de mal faire. C'est pas un reproche, c'est bien. Mais là, maintenant, vous êtes devenus des bisounours. Vous envoyez des smileys bisous cœur à tous les rebelles et tous les bandits de cette île qui maintenant se croient plus forts que la police alors qu'ils sont menottés dans une cage. Les rebelles armés jusqu'aux dents, équipés jusqu'aux dents, n'ont rien à faire sur la voie publique. Est-ce que vous trouvez normal que le général de la sécurité civile se retrouve pris en otage, menacé de mort par des armes civiles? Et à la fin, ces hommes soient libérés? Non. Est-ce que vous trouvez normal que des rebelles crachent sur votre dos à longueur de journée? Est-ce que vous trouvez ça normal? Négatif. Est-ce que vous trouvez normal qu'un groupe rebelle revendique clairement vouloir braquer la LCO? Non. Donc, vous n'êtes pas des bisounours. Vous êtes des hommes et des femmes que j'ai formés. Vous êtes des machines de guerre. Vous êtes des armes à tuer. D'accord? Donc appliquez-moi ces putains de règlements. Vous avez des nouveaux. C'est à vous de les recruter. C'est à vous de les former. Comme je l'ai dit explicitement depuis toutes ces dernières semaines, si j'ai un problème avec la police, c'est pas le policier que je vais aller voir. Mais c'est le lead d'escouade qui va ramasser. Ça a été le cas ces dernières semaines. Ce sera toujours le cas dans le futur. J'en profite que vous soyez tous là ce soir pour vous expliquer pourquoi j'ai demandé au lieutenant d'échanger les deux unités. C'est pas pour faire chier, c'est juste pour les tester. Parce que moi j'ai besoin d'être dans un fauteuil avec des appuis sur lesquels je peux me reposer. Si j'ai pas d'appui, je me repose pas, donc je me fatigue. Et quand je me fatigue, je suis agacé. Et si je suis agacé, je suis énervé. Et si je suis énervé, vous savez ce que ça fait.
Donc c'est pas mon but. Mon but, c'est de former déjà une pyramide hiérarchique pour qu'en dessous, ils vous forment vous. Et c'est en train de se faire. Il y a eu une nette amélioration depuis ces derniers jours. Continuez sur cette voie-là. Maintenant, le sujet qui fâche. Ce soir, vous êtes nombreux. Je peux comprendre que vous avez tous des enfants, des neveux, des cousins qui sont en période d'examen. C'est compréhensible. Ça vous sauve. Croyez-moi. Vous êtes policiers. Une fois que vos familles ont fini vos examens, vous fêtez ceci avec eux comme il se doit. Et après, vous reprenez plaisir à travailler avec nous, ensemble, les mains liées, contre ces vermines qui poussent, qui prolifèrent sur Altis. J'en ai marre de voir des infirmiers me ramener des policiers et des civils tous les jours sur des brancards, n'est-ce pas, général ? Il n'est pas là. Si, c'est vrai, ouais. Non, mais pas toi, lui, là, en fait. Mais il est pas là. Ouais, mais des fois, vous venez, mais il faut aussi participer, en général. Hein. Bah, écoute, je te réponds, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, d'accord. Bon. C'est pas grave. Merci au Marshall aussi de nous aider à récupérer les gens qu'on interpelle et qui s'occupent derrière. C'est vrai que les paperasses, c'est chiant à faire. Faut aimer le faire, mais il faut le faire. Merci à eux de nous soutenir dans tous les moments. Merci à la sécurité civile de venir faire des PMA chaque jour pour nous aider. Merci aux civils de prêter une attention particulière à la police et de faire vos candidatures, même si elles sont refusées de temps en temps. Mais bon, ça arrive, c'est sélectif. Sinon, la police ne serait pas ce qu'elle sait aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je suis le premier homme à poser le pied sur le champ de bataille et le dernier à en partir, quitte à y rester pour vous. Faites pareil avec vos subalternes. Et croyez-moi qu'ils vous suivront n'importe où. Policier d'Altis, est-ce que vous serez motivé ? Oui, oui, oui. Ah ouais, ça s'entend, putain. Est-ce que vous êtes démotivé ou vous êtes des losers ? On est du bon colonel ! Oui, mon colonel ! J'espère que vous allez vous réveiller, bande de salopards. En général, vous pouvez abattre. Sont passés, je pense. Moi, ouais, je pense. Civils relous là qui sont là pour leur travail. Bah, il est à poil. En plus, ici, ma nouvelle amende. Bon. Ouais, j'en ai encore. T'as plus rien à dire ? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, allez, pour l'ensemble, à vos commandements. Garde à vous à disposition des chefs d'escouade pour dispatch et mission de surveillance. Allez, c'est parti. Bon, avec moi rapidement. On y va, les gars. Allez, sommation, vous circulez. Viper. Merde. Mais y a pas de ligne. Circule derrière le mur là. Ouais, ah ouais, je suis là. Est-ce que tu fais tu donnes les plaques aujourd'hui ou quoi? Ouais, fais. Bon, allez. Merci à tous d'avoir été là pour cette présence pour la cérémonie de la police. Oui, je pars en patrouille, là ça va freeze un petit peu, vous inquiétez pas. T'as vu, moi j'ai mon nouveau fond vert les gars, parce que là c'est de pire en pire. Merci à tous, merci aux nouveaux followers, faites comme eux, followez. N'hésitez pas, restez présents, followez pour vous tenir informés, de ne rien rater. Venez sur Discord pour avoir les notifs et tout ça. Là, ça va freeze un petit peu, l'image va bloquer le temps que je mette les grades, comme je suis administrateur sur le serveur. Je vais faire tout ça aux gens, donc voilà. Ok ? Désolé pour le petit inconvénient qui va passer pendant 5 minutes. Merci à vous, les gars. Alors, le premier qui vient. Le deuxième. Alors, je vais pas me répéter 50 fois, les gars. Le second, celui qui succède, celui qui est devant lui, me dit quand il est parti voir Martine. Parce que je n'ai aucun visu sur lui. Est-ce que c'est compris ? Monsieur. Monsieur le ministre. Bon, apparemment, il y en a qu'un qui a reçu. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Tu montes tes culottes ou pas, toi ? Non. Ah, bah, je verrai pas, alors.
Allez, non. Maxime Bellucci, c'est la formation Bellucci. De base, formateur de base site et ici. Alors, Bellucci. Bellucci. Toi, tu veux la formation? De base, je suis formateur et du coup sur le site et ici formateur. Et tu as la formation de base? Ah non, c'est toi, tu l'as pas. C'est bon, tu peux y aller. Sur le site, je te le mettrai plus tard. Hein. Ok. Tu me dis quand il est parti? Ouais. Je fais. Ok, ok. Il va falloir que je vienne vous voir. Une bouteille d'eau, moi, c'est des Jack qu'il me faut. Vous devez de l'argent. Mais de la bûche. Ah ouais. Et parti. Ok, suivant. Ah oui, mais il y a pas de ça. Valentin Paras, brigadier. Ok, tu peux aller voir Martine. Para, ça prend 2 heures. Ah ouais. Allez, va voir Martine. Ah, les recrues là, les nouvelles recrues devant moi là, s'il vous plaît. Oui. Ok, suivant. Obamo, adjudant chef. Il est recrue uniquement. Ok, va voir Martine. Ça, tu prends quoi toi? Grade suivant toi. Alors, nom, prénom. Marron Martin. Kevin Magnus, recrue Viper. Ah bah si. Ah, moi aussi je veux mon pognon, ouais. Sinon, elle est où ton pognon? Quel pognon? Sur Ramsay. Bah, elle a des salaires, tu l'as eu, moi je les ai. C'est bon, il est parti? Ouais, il est parti. Suivant. Diane Maschetto, brigadier chef. Pas de salaire. Yes. Alors, la recrue. Dylan Maschetto. Ah oui. Tu veux dire quel est-ce que tu vas dire? Allez, va voir Martin. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, pour ce pas, une fois que vous êtes prêts, vous allez au mur, merci. Merci. C'est bon, suivant. Suivant. Forest. F-O-R-E-S-T. Call, avec deux L. Sekdar, c'est ça? C'est ça. Allez, va voir Martine. Virgil Call, avec deux L. J'ai vérifié ça dans deux secondes. Comme la colle en fait. Ouais, exactement. Mais call à l'américaine c'est mieux. De ouf, frère, voilà. D'accord, call. Yuga. Sniper, pareil. Hop. Parti. Allez, call. Oui. C'est bon, tu peux y aller. Parfait. Ouais, suivant. Gambicos, Cobra, Brigadier Johnson. Comment? C'est quoi le nom? William Vicos. Comment c'est? Ah, Vicos. Hein. Johnson. Ok, vas-y, c'est bon. J O H N S-O-N. Hunter Johnson. Alors? Donc, la plainte préjudice? Moi, je suis brigadier. Je te trouve pas. Ah bon? C'est compliqué là. Vous dans le lobby? Oui. Ah, Eric Wolf. Si t'as une place dans l'avion, je m'occupe de toi, ok? Donc, tu passes recrue, Vicos. Oui. Je vais avec le médecin. C'est un 7S, ça, on va dire. Je crois qu'il dort, le médecin. Cobra, passage canal 3. Bon, il est parti. Allez, pour tous vous équiper. Prévu à 20h. Alex McGonagall, le brigadier chef. Ah bon, Alex. Il y a une banque. Ok, je te mets quoi, toi? D'accord. Ok, vas-y, c'est bon. Et bon, c'est le dernier. Bon, laissez tomber. Ah, toi, c'est CPA. C'est pas grave. Il y a une banque, les deux. Ouais. Allez, c'est bon. Excusez-moi. Il reste combien là? D'accord. Bon, préparez-vous, les gars. Il en reste plus. Bon, ok. Il est parti, l'autre? McGonagall, là? Il est parti, ouais. Ok, hop, c'est bon. C'est parti, banque. Et pourquoi on est que 26 là? Et là, du coup, on est descendu, c'est ça? Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, ça m'énerve. Allez, ouais, allez, on se dépêche, on sort. On sort un Strider, on sort tout ce qu'il faut. Je prends en fin de service. Comment ça, tu prends en fin de service? En fin de service provisoire. Faut des hurons ou pas, Dédé? Allez, hop, 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 hop! C'est bien? Pardon? Il perd un grade par rapport. Voir ça avec Viper et Cobra, moi je vais directement en Stride. Alors moi je. La nouvelle recrue, on fait comment nous? Costa, enlève ta merde là, t'es pas tout seul! Et de pas avoir. Pour Viper, je suis. Obamo. Non. Bon bah on va préparer. Ah non, 12. Du coup, si moi je pars alors qu'on est 13, je pars. Pour les recrues, c'est Viper, c'est avec un béret blanc. Et
monsieur Kanamoku. Je vais mettre une claque. On est agent modifié. Est-ce que tu peux retirer ton véhicule? Faut qu'on reste calme et direct. Compris? Pour les sirènes. Bah, on prend, prends un strider, t'en meurs pas. À moins qu'on voulait courir, vous voulez courir ou pas? Ouais. J'aime les TE donc j'aime bien courir. Vous voulez courir ou pas? Ouais. Non, mais Dédé, on peut pas y aller à la banque en voiture. Ouais, bah oui, c'est. Eh ben, vous voulez courir ou pas? On TE ou pas? Ah non, on y va en hélico. Ah bah, sinon, parachute, hein. Parce que sinon, technique simple, hein, y en a un qui prend. On fait deux escouades, il y en a un qui prend en TE, il y a un qui prend. Et les autres prennent les batteuses. Et si dans l'escouade 2-3, il y en a un qui sort en antimat. Technique, tu prends en TE. Attends. Ah, j'ai. Vas-y, range ta boîte. Putain, mais il est con lui, hein. Il se fout de ma gueule. Si on va passer Canal 6 pour l'organiser. Test Canal 6. Reçu, reçu. Ok, donc pour Sierra, référencez-vous à ce qui est marqué sur carte. On va former les escouades. Donc 1-2-2, 1-2-3. Je veux dans chaque escouade un TE et une batteuse. Et le troisième de votre escouade, il prend un. Il prend un antimat. On va avancer en progression en prenant des hélicoptères par le sud, comme d'habitude, savoir qu'on va pas faire notre. Vous, vous prenez quoi? Vous prenez des batteuses du coup? On prend tout, nous. Nous, on prend batteuse et snipe. Ah, c'est ça, batteuse. C'est bien pris. Dédé, je te prépare l'hélico, je te ramène l'hélico. Ouais, ouais. Taylor, tu pourras nous mettre une PMA, on a une banque. Ouais, je sais. Ah, ok, super, nickel, merci. S'il vous plaît. Ça, c'est son problème. C'est quoi? Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Allez, on se dépêche, les gars, là, s'il vous plaît. La banque d'Altis, votre pognon, votre salaire. Voilà, on y pense. Oui, bah déjà, faudrait quitter la recrue. Ah oui, mais t'étais pas en train de le faire. Ah vas-y, fais-le. Théma, c'est même pas écrit. D'accord. Oh non, j'ai perdu mon silencieux. Vous équipez la recrue plus tard, les gars, vous lui donnez à l'arrache, là. Paul, le premier. Cadeau, pied de biche, ou sacoche. Faites comme tu veux. Voilà. Personne qui peut m'acheter un coup, si on se... Pour les armes, on prend ce qu'on veut. Du coup, ouais, vous prenez ce qui vous tombe sous la main, là. On s'en bat les couilles. Ah, la recrue, viens là. On la caillasse douche. Oui, c'est des gens qui attirent après. Comme ça, ils pourront tuer. Comme ça, ils tueront mes traces, là. C'est ça. Bah là je voulais envoyer par mail radio sécurisé là. Scott. Je le sens, Philin, c'est un. Je le sens. Oui, je suis là, je suis en bas là, j'attends le truc. L'hélico il est en haut, tu veux le faire si tu veux. Ah, tu mets un TO, t'en as un. Non, mais en. Gilles. Un jour ça compte une trompette. Donc, au fait de tout ça. Au fait de tout ça. Donc, même pas que c'est pas que de la bûche. Alors, ce que je viens de voir, au vu de vos preuves, tout ça. Je résume. Je suis en tant que ministre. Bon. Bon. Bon, vu la situation, je vais clore l'enquête. Nickel, et toi, Ryan? Bon, bah voilà, vous allez avoir de l'action, il y a une banque. Ouais. Faut sortir une tenue. Oui, c'est pas comme ça, Antonio. Ouais, c'est tout en noir. Tu prends que la tenue. Les gars, on s'en bat les couilles, il reste 3 minutes pour arriver sans zone. Donc, voilà. Je vais clore l'affaire.
Allez, on s'en bat les couilles, les gars. On s'en bat les couilles. Faudra qu'il te vide. Et le mieux, c'est sac à dos, sacoche-toi. Qui est vendu? Le gilet, c'est je prends un tri ou je prends un truc Viper? C'est celui de Tom. Un Viper, le truc Viper pour la banque. C'est un problème, vraiment. Je suis bloqué en première. Salut les gars, désolé, commissariat fermé, braquage de banque, désolé fiston, ça va tranquille la racaille ou quoi? Attendez, non, on peut venir aussi, on peut pas venir nous, vous voulez. T'inquiète même pas, j'y viens, voilà, j'y arrive. Oh putain, il est plus là! Le L4, voilà. Là les gars, je vous pisse dessus. Qui est qui nous pisse dessus? C'est moi. Tiens, vas-y là. Allez, prenez les gars pour une fois que vous avez à boire. Allez, ouh, ouvrez la bouche les gars, c'est gratuit. Monsieur la police en haut là. Je suis pas la police moi, je vous pisse dessus moi. Vous êtes pas la police vous, vous êtes... Arrêtez, eh moi il faut que je vois le ministre là. Il est pas là, il m'a dit qu'il en a... Il est reparti. Ouais, il est parti ouais. Ouais, on se casse. T'es tout chargé dans l'hélico Dédé, regarde de ce que tu veux, t'as tout ce que tu veux dans l'hélico. Ouais, allez on se casse. Ah merde, je peux pas me casser putain. Prenez... Allez on se dépêche les gars là, on se dépêche, on se dépêche. Allez, mangez-vous le cul, les trains à l'ananas, sinon moi je vous donne des coups de pied dans le derrière, vous allez tous virer là. Bon, déjà prendre le sac à dos pied de biche. Allez les gars là, maniez-vous les trains, putain. Moi je suis prêt. Maniez-vous le cul, bordel. Oh frérot, on est dans la merde. Juste, il faut que tu rajoutes les lunettes pour la carbone, c'est pas grave sinon. Après, c'est bon, donc c'est un bordel. Ouais. Après, prends ton arme. Ok, on peut prendre encore à peu près. Allez les gars, allez, on s'active. Les gars, on s'active. 5 minutes 45. À 5 minutes, tout le monde décolle. Prêt ou pas prêt? Sinon, je vous défonce le cul, moi. Faire une demande, ouais, faire une demande auprès du tribunal pour que ça soit eux qui soient nous en fait. Tu pilotes? Tout est prêt pour nous, ouais, ouais je suis prêt à piloter, ouais. J'ai juste pas pris de parachute. Ah, moi oui. Je vais en chercher un. Vas-y, à côté passe. Ah non, décale. Non, décale. Les gars, c'est long là, on dégage là. Allez, 3, 2, 1. Allez, on bouge. Le premier qui bouge pas, il est viré. Général, pardon, donnez-moi les bouchons. Diablo pour Dédé. Ah, c'est si long. Okay. Regarde, il y a qui sur l'île? Il y a un bracelet. Ah. Merde, mon sac à dos, il est où là? Vous avez piqué mon sac à dos, les gars, ou quoi là? Mon sac à dos, le truc qui était par terre là? Ouais? Il est pas dans. Ah putain, non, il passait pas dans l'hélico, ce bordel. Oh putain, les mecs. Ah, franchement, vous êtes graves, hein, les gars. Allez, Dragon, on se dépêche. 4 minutes, les gars, c'est pas normal. 3 minutes 30, on devrait déjà être là-bas, là. Allez, maniez-vous le cul, là, sinon je vous vire, là. Maniez-vous, là, maintenant. Putain. Allez, pas prêt ou prête, on se dégage, là. Allez, hop.
d'un coup. Rien de beau. Bon allez, tous les chefs d'escouade, vous partez avec ou sans effectif terminé là. Allez hop, on dégage là. C'est trop long les gars. Allez hop, on dégage nous. Allez, de Sierra, on dégage nous. Trop long les gars, la préparation, beaucoup trop longue. Hein. 15 minutes, il reste 2 minutes 34. Vous avez mis plus de 10 minutes à vous préparer. Vous êtes des amateurs les gars. Bibi, toujours pas prêt? Pardon? Par la Bibi. Ah ouais. Je sais que c'est moi qui l'ai supprimé, mais c'est jamais ma faute, c'est toujours la faute des autres. Le temps, c'est une banque. Donc là, il y a une banque qui est lancée. Une famille rebelle qui a. Qui a. Qui a braqué une banque. Là, enfin, des fouloirs en fait, tactique. Oh merde, j'ai pas de téléphone. Du coup, tu veux te mettre quoi, TV hélico, ou alors on avance au sol là, en TV? Non, on va déjà rester en hélico, il n'y a personne sur, en, au sol là. On va déjà faire ce qu'on a à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je n'entends pas beaucoup, si tu veux parler, je sais pas si tu peux parler plus. J'ai dit, on va déjà rester en TE hélico, le temps que les unités terrestres arrivent, parce que là, ils sont encore. Même pas arrivés encore à Zaros, donc. Ok. On va spot un maximum là. Ah merde, putain. On va spot un maximum. Alors je sais, pas de panique les gars. C'est que. Vraiment, t'as vu la vie, c'est bon. Je pensais que t'avais pas mis ton parachute sur toi. Si. Du coup, voilà. On va déjà spot le temps qu'ils arrivent. Je vais essayer le. Ils prennent pas les véhicules à Néo. Oh, je sais pas. Un peu mieux pour le Pax TE au niveau de la tour armée. Je vais essayer de le faire, le mec dans la tour armée. Il est où? À notre gauche, là, dans la tour armée. Ah ouais, vas-y. Tu te positionnes bien et on y est. Tu stats et je prends la distance et c'est parti. Hop, on a plus bougé. Hein. Bouge plus hein. Ouais mais bah là ça va être compliqué là en fait. Voilà. Ouais. Ah bah là tu bouges trop là. 1200 mètres, ok. Plus stable. Là je peux pas être plus stable.
Oh, je peux pas. Laisse tomber, bouge. Pourquoi? Bah, trop nuit, hein. Fait trop nuit, là. T'es mis une NVS. Ah. Ouais, par contre, là, faudra se rapprocher. Ah putain, mais c'est vrai. Bah, combien à 10 mètres de NVS déjà? 300 mètres. 300? Ouais, c'est mort, c'est tombé. Oh bah, laisse tomber. Putain, ils ont bien lancé le moment. Oh putain, j'ai plus ma batteuse. Eh bah c'est où? Là j'ai pas pris. Ah oh, c'est pas. J'ai ma HK16 en dessous. Hmm. Ah non j'ai mis une. Ouais la M242 mais tiens ouais. J'ai la similaire en HK. Je l'ai mis. Avec RCO et Bipier. C'est trop nul là. La nuit, je vois rien. Mais... Peut-être mieux avec les bouchons, non? Je parle pas des sous de live. C'est Altice Live France. Salut, salut, Albanien. C'est Altice Live France, serveur RP. L4 à l'entrée. Jure. Bah ouais, je jure. Hein. Alors. Un VL qui se balade un peu plus. Ouais. Je vais le voir là sur un coup là. Tu dois le voir dans ton vision. Quoi? VL là, il y a un VL. Ouais, vu. Hein. Il y a un L4 dans la banque. Ah non, on a un L4 qui s'est crash là. À nous? Ouais, de Jeff, on a un L4 qui s'est crash là, Yuga. Oh putain. Ok, il y a un survivant. Un survivant sur le crash L4. Un survivant. Change mes points à ta radio, Dédé. Ouais, point 1? Ouais, tu rajoutes point 1. Un survivant sur le crash du L4. Un survivant. L4 3 L4. Ok, à tous de Cyralide. Donc j'ai deux L4 dans la banque plus un Emic Burn. Ça va certainement partir dans les airs. Sur les fréquences, il va se prendre un coup de lynx. Ah, reçu. Qui vient prendre un coup de lynx? Canabo, j'envoie de l'Afrique. Ah ouais, il a pris un coup de lynx. Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. C'est entièrement faux, tu vois bien. Bah, tu vas voir, hein. On n'est pas du tout favorisé par rapport aux rebelles ni aux bandits. Ceux qui t'ont dit ça, c'est des rageux, certainement. Voilà, c'est... Ouais, le coup de lynx, il vient du TE. Hein. Ok, à tous, je confirme présence de lynx sur les tours armés. Hein. Ouais. Ok, j'ai un Ifrit sur au niveau du château.
ensuite. CSTB, bienvenue. Et le premier, j'ai pas vu, désolé. Merci à vous d'avoir follow, les gars. Vous pouvez aussi venir sur Discord pour avoir les notifications en direct des lives Twitch et YouTube. Et avoir les notifications de la mise en ligne des vidéos. Et surtout, pour créer des squads sur Apex, R6 et autres jeux. Ok, je l'ai. J'ai le TEI, le pied, les frites. 1000 mètres. Donc, soit. Bah là, t'as bougé. Ah bah, t'as bougé. Là, de toute façon, je suis en. Ça y est, c'est bienvenu. Merci, comme les autres. N'oubliez pas de follow. Comme tout le monde, merci à tous. Merci au pouce bleu pour YouTube. Ah, je peux pas, je vois rien. Ça. Bah là il est mort. À tous de DD, vous n'hésitez pas à mettre les points PAX ou les points véhicules sur carte. Hein. Nous les TE pour l'instant on est HS trop noir. On va aller check un truc DD là sur la gauche, on a un point d'un mec là auto. Ouais. De quoi? Check un coup là-bas, là, il y a un point là, mec, auto-cabane, quelque chose, là, avec son... Qu'est-ce qu'il y a un véhicule là en face, tu vois? Ah, là, là, c'est le phare. Faut trouver les MK10 aussi. Ah, regarde, là, 2 km 2, tu vois, là, le... Là, quoi? Le mec, là, auto quelque chose, hein, son gilet, là. Ah, ouais. Ouais, c'est le T, là. Allez, c'est parti. Ouais, ça tire. Allez, essaie de te rapprocher un maximum. Un TE, ça. Il est en bas, là, 600 mètres. Ouais. Bah, je vois pas le mec. Tu vois pas? Bah, tu vois l'hélico, mais je vois pas le mec en fait. Tu montes un peu par contre. Ok, vu, c'est bon. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Normalement, il s'en va. Qu'est-ce qu'il a six... Bah, je sais pas. S'il se casse, s'il se casse, de toute façon, c'était un Pax armé, t'es confirmé ou pas? Oh, je sais pas, moi. Il est dans la zone, moi je tire. Arrêtez de tirer, nous, avec otage. Non, mais. N'importe quoi. Bon, allez, va à droite, à la banque, on s'en bat les couilles. Ah, nous aux banques, tu dis. J'ai pas de téléphone. J'ai pas. Tiens, attends, je te donne mon téléphone parce que je peux pas conduire. Ouais, voilà, ça m'arrive. Hein. Je t'ai donné ton téléphone. Obligé, hein. Ouais, fais gaffe au TE, surtout au lynx. J'ai pas envie de me prendre un lynx tout de suite en fait. Le jour arrive. Il est minuit 4 ou minuit 14, ça va arriver dans 3 heures. Ok, je vais monter à 200 à peu près et faire une tournante. Ah bah, moi fais gaffe. Clean sur la droite avant de quoi. Ok, tout le monde est sur l'île, c'est bon. Oh! Ça va? Ouais,
mais là je sais pas comment. Ah bah là y'a un problème. Quoi? Dédé, on a un problème. Ah bah dès que tu veux, tu sautes. Là Dédé, appelle longue, appelle courte. Besoin de renfort sur nous, vite, vite. Besoin de renfort sur ce tyran, on va s'écraser. Allez, t'es prêt à sauter? Ouais, quand tu veux. Ils sont devant nous, César, ils sont devant nous. Saute de l'hélico avant de se pencher. Ah oui, ils sont déjà crash, donc go aller dessus là. Aïe. J'espère juste qu'ils ont sauté, je pense que oui. La fille, ils ont ouais, sauté. J'étais mais... trop bas. Pourtant, j'avais un parachute. Hein. Normalement, on va nous rêver. Eh ouais, mec, j'étais beaucoup trop bas, mais bon, je préférais sauter que mourir dans l'explosion parce que là, j'ai peut-être des chances de survivre en fait. Là, mes collègues vont nous récupérer et il y a un médecin qui va peut-être nous soigner. J'espère que c'est ça. J'espère que ça va le faire. Sinon, bah, la banque est finie et la soirée aussi. On fait la suppression sur le fait. Il y en a qui en récupère un et moi je récupère l'autre. On a extrait Dédé. Kevin, tu conduis s'il te plaît, tu conduis. Tu le soignes. Kevin, conduis là, prends le truc s'il te plaît. Kevin. Kevin. Priorité Garo. Hein. Kevin. Personne dans le conducteur, fais... Kevin, fais le tour. Allez, conduis. Sors-moi de cette passerelle. Attends, je regarde si je suis pas blessé, tu m'as écrasé. Ah ouais, bon. Ah non, ça va. Fais pas sortir, fonce. Allez, où ? Fais pas sortir, Kevin. Allez. Sors de... Non, sud, mes tours. Regarde ta carte, 1 km au sud, là, tout droit. À droite un peu. Ouvre ta carte. Ouvre ta carte, regarde PM actif. On voit pas bien la carte. Il faut que tu prennes. Oh putain, mais c'est qui lui? Ouais. Je suis. Il y a deux tronçons. Hein. Je suis. Ouais, mais que tu t'allais dire pour la carte. Je t'expliquerai plus tard. Allez. Tu débutes? Ouais, bah. Genre, ouais, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Ouais. Et... Ok. Là, j'ai bon, 48 sache, heures de quand, jeu. Quand je, demande, quand je te demande de passer un conducteur, t'as juste à faire molette. Et tu passes en conducteur, pas en sortie du véhicule. Sortie du véhicule, c'est une prise de risque, t'as exposé au tiers de d'armes. Ouais, mais j'étais déjà sorti depuis longtemps. T'as perdu un temps fou, les collègues est dans le caca. Allez, suis ce chemin. C'est carrément dans le caca là. C'est quoi ton nom, RP? Spring Fellow. Tu le suis là-bas, tu vas dessus. C'est avantage. Bah là j'ai pas le temps de voir les gars en fait. Là j'ai pas le temps de voir qui a fait la banque ou pas quoi. En fait la chaîne Spring Fellow c'est le nom de mon personnage RP. Dans tous les jeux RP. Viper on est en véhicule, hein, en trailer. T'arrêtes et tu sors le collègue là. Bah ils sont chauds, non? Bah ils ont l'air de bien tirer déjà. Dédé, oui, c'est moi, j'arrive. Vas-y, continue à leur CP le tien. Non, le nôtre il est pas stabilisé du tout. Et il est sorti là? Ouais, ils sont chauds, ils ont l'air d'être chauds les mecs. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? What the fuck? Les garros sont mis, hop. Là, tu soignes les blessures. je t'emmerde, Ryan, je t'emmerde. il est pas si mal que ça. Ah, ben, que l'autre, hein. L'autre est plus mal en point. Et il s'est relevé ou pas? Non, pour l'instant, non. Allez, les gars, au lieu de regarder Dédé là, vous allez sur Kevin est très sur Jeff. Allez sur Jeff, les gars.
Okay, j'aurais terminé de le soigner rapidement. Mettre une morphine. Tu finis les jambes, direct tu retires tes garrots. Tu retires tes garrots, tu as CP. C'est rare, on essaie de traiter les deux, mais on a aucun besoin de nous. Ok, bon, une petite morphine, alors d'abord la tension et après une morphine. Eh les gars, je vais pas pouvoir courir partout là. Morphine. Mettez sur nos collègues, vous les RCP, ne les lâchez pas. Arrêtez de courir partout, on est couvert. Sans doute. Je pense qu'on a son bras. Bon, après je vais pouvoir tenter de défiler. Ah putain. Bah ouais, mais je suis dans le feu d'action, les gars, aussi, merde. Jeff, il est comment? Il a des collègues avec lui? Jeff, il a, on l'a perdu. Ah! Thank you. Terminé de le penser. Oui, mon colonel, je sais. Tush, il est mort? Ouais. Ah putain. Bon, et j'ai plus de chargeur. Bon, bah, il faut que je trouve des chargeurs. T'as quoi comment? Aspar 16. J'en ai. Avec une AMS. AMS, t'en veux une? Ouais, s'il te plaît, ouais. Chargeur, hop, tiens la MS. Sur du sang avec une petite épine. Merci. Avec une seule épine, comme ça tu veux rentrer une de Red Bull. D'accord. Et du coup, t'as une transfusion, tout ça. Et voilà. Bon, bah super, merci. Merci, mon petit Williams. Je prends une Red Bull, c'est ça? Non, non, c'est bon. Enfin, non, c'est bon. On en a une tout à l'heure si t'as besoin. Mais... Ça marche. Merci, moi. À tout à l'heure. Ouais, bah, j'espère pas, du coup. Ouais, ouais, non, mais j'espère non plus. Ton parachute. Bah, mon parachute, de toute façon, j'ai rien d'autre. T'as un stack de tes jambes. Ah merde, putain, ouais. Attends, attends. C'est quoi ça? Ça me bat les couilles. T'as ouais. Changé, là. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, Kanamo, bah ouais, c'est parti. Allez, c'est reparti. Ouais, Jeff, c'est le gars qui était avec moi. Le stream de demain, c'est devenu ma série. C'est ça. Tous les soirs, maintenant, t'as la série, quoi. Épisode 36. Je vous ai fait un cercle demain sur carte. On va là-bas, on voit ce qui se passe. Ouais, bon, quoi. Attends, c'est quel cercle tu pars? Le cercle que j'ai mis avec le point Pax à pied. Oui. Désolé, je me replie vite fait, je vais faire un refuel. C'est reçu. Putain, on a pas de. Oh là là. On a pas de quoi? Le bâtiment. Essence. D'essence? Ah non. J'ai une strider, du coup je suis obligé que ça pompe à fond. Bah ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Bon alors, il y a de sacrés putains de TE déjà. Qu'on a cru comprendre. Bon, des TE, ça se rush, hein. Ça, si on prend 120 au Lynx, on a au Battles avec le. Ouais. 95 menaces elf. Mais il cobra. J'arrive pas à avancer pour l'instant. Ok, les mecs avec leur message là. Et le cheat est sur ce canal? Vous êtes sur quel canal, les gars? Canal 2. Hein? Canal 2, je suis moi. Bah, vous êtes pas canal 1 là? Et canal 2 et en même temps. Hein? Les actifs, canal 2 sans les Viper. Test canal 1? Moi aussi. Ok, nickel. On met canal 2 en additionnel, comme ça on peut. Ouais, bien sûr. Sur la directive, ça spamme pas. Ensuite, j'ai peur. Belucci, c'est sur quel canal? Ok, le point Pax à pied, tu as d'actualité ou pas? Parti à pied, en véhicule.
Une bûche ça derrière à côté là. C'est une épave. Ok, sur le c'est une spot si vous voyez. Ah, c'est une épave. Merci. Kevin. Ouais. Mets un chef de bord s'il te plaît. Tu fais clic droit, tu vas pouvoir zoomer, avoir accès à la thermique. T'appuies sur N et pour accès à la thermique. Thermique, c'est une couleur blanche avec des points noirs. Tu spot autour si tu vois un point noir ou un point blanc pour la silhouette d'un corps, tu me dis et tu me dis la direction surtout. Attends, voilà. Donc là pour l'instant, Canamo, on circule, on cherche des pecs qui sont potentiellement dans le bac, utiliser les thermiques. Non, mais ils sont cons ou quoi? Et réponds-lui, dis-lui qu'on a une banque là. Mais il est con lui ou quoi derrière là-haut là? On reste en contrebas par rapport à. Au château là. Ah tiens, Mathis, on reste pas le château, il y a trop de packs pour l'instant. Ok, il y a des packs au château. Ah oui, il y a des TE. Oui, le TE. Bien pris. C'est la vision nocturne. Ah ouais, non, ok, ouais, je vois quand même en noir. Ouais, c'est ça, tu vois noir et blanc. Tu regardes un peu autour, tu vois tranquillement. Si tu vois quelque chose, n'hésite pas. Mais si t'es pas sûr, n'hésite pas, tu vaut mieux. Qu'on vérifie pour rien. Autre chose. Bon. Pinéolienne. TE, ça avance. Ça avance, là, ils vont être exposés. Donc pour tous les Vipers, d'ici quelques instants, on va s'apprêter à faire un rush autour du point du château. Echo, est-ce que vous savez prendre vision sur le point de Pax qui est mis sur ce point-là? Je vous ai fait un cercle noir dessus. Ouais, vous me dites si le point de Pax est toujours d'actualité, s'il vous plaît. Reçu de Viper, du masque avec moi, on va aller checker ce qu'on peut accéder sur notre gauche là. À gauche, 100 mètres. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, les gars? Moi là, je vois rien. Ce qui brille là. Pax, Happy Pax, refermé. Où ça? Juste à gauche là. En dessous de nos barbus, on Pax sur nous. Pas sur Canamo. Ah ouais, vu. Bon bah dès que tu te mets, dès que tu tournes. Dès que... Ouais. Ouais, toi maintenant. Max comment? Le niveau collègue. C'est bon, Pax, comment? N'oublie pas de clean le point après. Affirmatif. Allez, on menote et. C'est bon? Tu menotes? Ouais, tu menotes et tu files à la tête. On n'a pas le temps de s'en occuper. Tu menotes? C'est bon? Prends la radio. Il a pas de radio, mais il a une trousse. Hop. Ok, on dégage. Allez, c'est bon, Pax Nutra. Fait. Allez, great job les gars. Je t'entourais, donc on va se diriger un peu plus sur la droite là. On va repartir sur le flanc droit. Vous nettoyez le point Pax sur la carte s'il vous plaît? Oui. Strider devant nous. Il est déjà nettoyé je crois, non? Ifrit non. Ifrit ouais. Ifrit on va se le faire. On est 3 les gars. On essaie de take down. Moi j'ai 5,56 hein. Non. On essaie de take down et retourner l'Ifrit. Un fruit frit, ok. Bon les gars. C'est fait texte, est-ce que vous pouvez venir nous retourner s'il vous plaît? Première c'est compliqué. Tapez-nous dedans. Balancez une fumée. On a les deux L4 qui nous shootent là. Voilà sur un cela. Chef de bord, mets-moi une fumigène. Chef de bord, mets-moi une fumigène rapidement. T'as plus sur C. Un piscine. Besoin d'être sur nous, venez nous mettre des fumigènes dans la gueule. Mets-moi les fumigènes de l'Ifrit.
les gens en y retournent. Ah bah je suis coma. Allez, ça bon. Chier, ça. Vous êtes coma j'imagine. Bah oui. Ouais c'est déjà ça les accords, c'est relou ça. Je vous reçois avec peur. Ah fio pour ça. Non, ouais, je pense aussi. Il y a un mec derrière vous. Par contre on a vraiment besoin de renfort là, il y a les deux F4 qui nous shootent, on a DD et tout le groupe là qui est comme. De comment c'est chaud depuis le château hein. Bah là il y a eu un bug en fait. Il y a rien à expliquer, là c'est un bug en fait quand ton véhicule est retourné, quand t'as un véhicule qui te tape, et bah en fait compte avec le bug bah ça te fait voler le véhicule et vu que ça te fait voler bah tu tombes coma, donc c'est un bug donc on va revenir en place en fait. Il y en a déjà qui sont morts de chez vous hein, je sais pas si vous êtes. Il va devoir TP tout le monde en fait. Tu ne veux pas venir en sécu au pire moi. Je serais capable de tomber sécu quand même hein. Un combat quand même. Ouais c'est une banque ouais. Ouais, super novice. Ouais. Que c'est pas nous pour soutien. Ouais, bon, on est là. Ouais, c'est un putain de bug. Oh, ça arrive, c'est pas grave. On va se TP là-bas après, t'inquiète. Ah, ouais, d'accord. Oh, ça, bon, il a fait son kill, mais on va revenir, donc on s'en fout à la limite. Un coma, c'est ça en fait. Bon, bah voilà, on est mort. On va pas revenir. Hein. On peut pas retourner. Non. Pour aller en patrouille. Bon bah voilà, c'était rapide. Ah, je vais voir ça. Je vais voir qui a fait la banque. Ok. Non. Ouais, carré magique. Ouais, carré magique. Okay. C'est le carré magique. Putain, c'est bien. Non, on s'en fout. Hein. Alors, c'est toi qui conduisais le stride ? Non. Kevin ? Ah, Kevin ? Bah voilà, je peux monter, ouais. Tu débutes toi, non ? Putain, y'a de bombes. Ouais, bah, y'a des trucs que je connais pas encore, ouais. Ouais, bah, ouais, faudra que tu apprennes un peu, quoi. Un peu plus vite que les autres. Parce que là, c'est pas un problème, hein. Mais il faut vraiment que tu t'adaptes rapidement, en fait. Mais ça, y'a pas de soucis. Je sais pas, faut te le dire. Hein. C'est pas méchant, hein, t'inquiète. Hein. Tu peux me. Allô ? Ils peuvent me rendre un script de tous les noms des gens présents. Dans les aptitudes, il y en a qui sont intéressantes de monter en police. Red Bull c'est intéressant. Et réparation. On recompte en banque, après tu peux aussi monter. Ah non, ils vont pas recruter. Non. Je pense pas. Ouais. Alors c'est mon petit Nabil.
Non, il y a pas de méta, les gars, là. Vous me dites, là. Pourquoi ce serait de la méta? Il y a pas de méta, là. Il y a rien, pour l'instant. Non, je prends juste des scripts des gens présents, tout simplement. Comme je fais tout le temps. Ça, moi, j'ai ma modératrice qui est un peu plus loin, donc je suis obligé de le dire en plus fort. Il n'y a pas besoin de s'énerver, les gars, c'est cool. Pas besoin de peur. Pas besoin d'avoir peur. Hein. Non, merci Nabil, en fait, pardon, excuse-moi, j'étais en train de penser à autre chose. Merci beaucoup de ton don, ça fait super plaisir. Merci à tous, merci à toi Nabil, merci à tous ceux qui ont donné dans le passé, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci de contribuer, merci beaucoup. On se rapproche de la cagnotte pour améliorer la qualité des streams, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Quoi, ce serait de la méta? Ils font métagaming? Non, ils font rien pour l'instant, il n'y a rien du tout, les gars. Là. Pourquoi vous dites qu'ils font du méta? Il n'y a rien. Je ne vois pas où est le problème. Là. Pas de problème, les gars. Là. Ils nous auraient pas tués, on serait mort du coma, j'y serais retourné pour bug. Mais là, comme ils nous ont sorti du véhicule, ils nous ont tués, je vais pas revenir. Là, j'ajoute Franco. Sinon, je serais retourné. Je le dis clairement. Parce que là, on pouvait. Mais bon, ils nous ont sorti des véhicules, ils ont pris un risque, ils sont venus nous buter, voilà, on y va. Mais j'aurais pu y aller, quoi. Colonel ? Ouais. Bonjour. Salut. Possible. Possible de quoi ? Mon grade d'adjudant, s'il vous plaît. Colonel. Non. Merci, colonel. Mais de rien. Voilà, toi. Tu passes adjudante ? Tu veux passer adjudante ? Non, non, mais c'est toi, je vais te faire passer adjudante. Bon, allez, vas-y, je t'y mets. Elle a rien compris. C'est quoi, toi, ton nom déjà? Leblanc. Vas-y, va voir. Ouais. C'est cool. Est-ce que t'avais pris des. Enfin, t'avais été touché, toi, par les balles? Non. Ouais, c'est chelou. Et parce que là, c'est simple. La situation, on était en train de voler à 250 à une altitude de 350 mètres à peu près. Tu me dis quand Leblanc est parti, s'il te plaît ? Il est parti. Il a lâché une rafale, le rotor est passé de normal à orange à rouge instant. Ah ouais. Pas compris comment, je sais pas avec quoi il nous a tiré, mais. Un gros TU en tout cas. Bah, un bon viseur. Ah, attends, mais pour eux. Tu sais qui c'est ? Non, j'ai pas. On a pas les noms du coup, vu que c'est l'hélico qui s'y crache. Ouais, non, y a plus personne. Hein. Oui, y a plus personne. Zone quoi, tout le monde s'est fait défoncer. Bah ouais. Et les étoiles. Mon étoile. Il n'y a plus personne là ? Ah bah ouais, il n'y a plus personne. Bah écoute, c'est cool. Je vends ma place là, 1 million ma place. Celui qui veut une petite place là, hop.
Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, ils ont décidé de... Le monde d'entre eux. Pourquoi j'ai 15 berets? C'est qui chante? Ah non, je suis heureux. Il est heureux. Il y en a du monde ici. Je sais pas dire. Ouais, Léon, non. Bah allez, moi c'est bon. Quel allez, on bouge. Bah ce fut assez rapide. Ouais, beaucoup trop même. J'ai pris un coup de lynx. J'ai jamais pris un coup de lynx aussi puissant de ma vie, je pense. Pas très mal, hein. Ah bah comme le dragon, hein, du coup. Ah ouais, je suis arrivé, j'ai fait un check thermique, j'ai essayé d'extraire un bonhomme. J'ai redécollé, mais j'ai pris 5 petits shoots de lynx, ça m'a pété le rotor arrière, et il m'a mis une tête. Ah ok, donc en face on a une nouvelle machine. Qui toi? Hein? Qui toi? Moi on était très haut, je saute, pouf! J'ai pas eu le nom, et, pouf pouf! Moi j'ai m'a bien défoncé. C'est d'être un monstre. Ah là, t'as perdu, là ils ont tout gagné, là c'est bon. Ils sont blindés les mecs. Hein. Non. Ça va être juste un truc. On se pose où là? La merde, attends. Là mec, mais tu pars. Je fais de la merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est de sauver. La merde. Tout le monde est arrivé, mon gars. Quoi? Quoi? Ouais. Oh, il est trop mauvais. Ouais, deux secondes les gars, je fais juste un truc. Et je suis à vous. Ça tu l'as dit, laisse le stream quand tu regardes en spec, c'est sympa aussi. Je stream. Ah merde. Bah voilà, en fait, quand tu specs, c'est ça en fait. Hein. Tu regardes, tu vois tout, voilà, tu vois tout dans dessus. C'est aussi simple que ça. Donc là, je voulais juste regarder quel était le but de la banque en fait. Et je pense que voilà. J'ai compris en fait. Y'a pas de camion, y'a rien. C'est bon, j'ai compris. Y'avait même pas de camion. Non, y'a pas de camion. Ah ouais, j'en ai compris. Bon, j'ai compris. Ah bah non, ouais. Bah non. Donc là j'ai pris les noms. Ouais c'est ça en fait. Pas amener de camion et de banque. C'est pas très intelligent en fait. Ah si justement c'est intelligent mais bon. Ça sert à... C'est-à-dire qu'en fait à la fin, en gros à la fin ils vont juste ramener les camions à la fin quoi mais bon. C'est-à-dire qu'en fait là sur l'île ils ont ramené tous les ifrits juste pour... Y'a pas le bateau, y'a rien là. Je supprime les pans déjà ou pas? Je sais même pas, non, y a rien. Bah si, y a rien, y a peut-être un mec qui est parti justement ou alors qui attend à la fin de la banque pour amener les camions, mais alors j'aimerais bien savoir où il est. Attends, tiens. Ah, tu le ramènes avant les camions? Non, bah non, tu peux très bien, non, tu gères ta banque comme tu veux, mais juste faut-il vouloir la faire en soi. Et moi j'allouerais au moins un mec qui vide la banque pendant qu'on fait la banque, quoi, si jamais je faisais la banque. Comme ça, c'est fait, et si c'est là où il fight ensuite de ça, il.
mais y a plus bis. De... Mais non, mais je peux même part. Ah bah ouais, pendant qu'il y en a un qui fait ça, ça prend une personne. Et comme ça, au moins, si ça dure trop longtemps, moi ils peuvent sauver les camions, quoi. Alors s'ils font ça à la fin, il reste que 20 minutes, t'as pas le temps de tout prendre, quoi. Même pas le temps de chercher un camion. Bienvenue à Stefan Suns. Hop, il me manquera que la trousse à outils. Ok, même pas duré une heure quoi. 90. Piedris. On va partir en patrouille maintenant. Ouais. Ouais, juste après, attends que tout le monde est là. 225. Et ouais, 225 et les mêmes bases. Moi, une heure, je devrais retourner sur le continent. Ce bordel, hein. Une heure ? Ouais, plus ou moins. Attends, attends. Ça paye combien ton GG ? Ça paye combien ça ? Je sais pas. Ok. Tout ce que je voulais voir. Quand t'as la mauvaise cagoule, je crois. Ouais, putain, mais même à 350. 360. Ah, 360. Le pantalon, putain, la vache. Le pantalon, c'est le bon, mais faut juste que tu changes ta cagoule et du coup, casquette. Je sais pas quoi. Ah, mais ok. 360 fils électriques par seconde. Reculer le Hunter, on peut stopper. A Cuba, viens avec moi. Ouais. Oh putain, pourquoi je peux pas courir? Ok. Oh, ok, c'est bon. Bon, on y va. Ouais, bah, sur toi. Prêt, je suis chaud. Ah, mais j'ai trop de trucs sur moi. Oui, c'est pour ça, prends un sac classique. T'as mon portable à 120, tu vas jamais utiliser. Attends. Vas-y. L'origine, c'est pour ceux qui se prennent la ligne, mais va voir un diable. Toi ça ? Non. Bah non, c'est pas moi ça. Je vais dire merde. Aïe aïe aïe. Bah y'a personne qui veut prendre ma place donc ouais. C'est si quelqu'un il voulait prendre la place hein, sinon je la garde hein. Allez, je vais arriver avec vous hein. Ah attends. Valsky, tu veux te mettre dans. Bah allez, c'est parti. Tu sais qui c'est qui faisait la banque? Ouais. VVZ. Carré magique. Attends, j'ai loupé un épisode là, Dédé. Quoi hein? Tu t'es pas fait... Bah ils sont partis normalement, mais ils sont revenus, sans lui. Bah reviens, ils étaient juste partis hein, parce qu'ils en avaient marre ou je sais plus quoi. Non mais tu les avais pas fait quitter. Non, non, je les ai invités. C'est eux qui m'ont dit qu'ils partaient. Va voir les clés du VL s'il te plaît. Je les ai donné je crois. Ouais, on les a. Rien posé dans le coffre. Ah c'est bon. Ah, faut que je remonte le son que l'hélico il m'a pété les oreilles là. Oh putain, j'ai 168 000 balles sur moi. J'ai oublié de poser. Qu'avec son lynx, il a fait un carnage. Hein. Ouais.
Là, j'ai regardé, il y avait... Après, entre nous, Spring, là, le but du carré magique, c'est pas de devenir officiel, hein, du coup, hein. Ils s'en fichent et ils font ce qu'ils veulent. Ouais, bah c'est ça, en fait. Et pour ça que tu voulais les tèges. Quelle team a fait la banque? Carré magique. Carré magique, là, et le but, c'était pas de faire la banque, le but, c'était de gunfight, en fait. Donc, plus 1. De quoi? Ah, Stéphane, salut Stéphane, excuse-moi, merci de ton follow, bienvenue à toi, pardon, excuse-moi, j'ai beaucoup de choses à faire là au niveau staff. Quel team? Le carré magique. Le carré magique qui a fait la banque. Vous changez de nom, les Vorvi? Ouais, ça n'existe plus, c'est un mélange, il y a Kazakov, Liro, il y a tout dedans. Non, il n'y a pas Kaza dedans. Il n'y a pas Kaza. Si, il y a Kaza dedans. J'ai pas vu Kaza. Bah si, moi je t'ai dit, je l'ai vu. Ah ouais. Bah oui, Sherman il est plus là, Skito est plus là. Bubble machin truc là, je crois que c'est fermé. Hein. Ah non, ça tourne ça, j'ai vu que ça tournait avant-hier. Ah ouais. Bah là j'ai Kaza. Là j'ai... Ah merde, j'ai Kaza là-bas. Après, moi, dans, donc, dans tous les cas, ils font ce qu'ils veulent. Kaza Cavliro, il est là Kaza, pour moi qu'il invente. Ouais. Après, s'ils se font gauler, tant pis pour eux, hein. Ça sera juste... Ah, mais oui, attends, Kazakov Liro. Ouais, Kazakov Liro. Ah, non, oui, Kazakov, mais c'est pas des papés aussi, ouais, donc ouais, c'est pas des papés. Ah, non, ça a rien à voir avec les papés. Ouais, donc c'est. Ouais, c'est ce que je veux dire. En fait, il est venu, il a dû se faire. Là, il veut se faire plaisir, il veut se faire kiffer, il veut gunfight un peu. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont pas compris qu'il y avait Rainbow Six et que c'est CSGO pour ça. Chacun fait comme il veut, les gars, ils ont le droit de faire la banque, hein. Ouais, ben. Bah. Fou. Je trouve ça dommage, tu vois. Tu peux pas. Après, on l'aurait su avant, tu vois. On aurait goût comme la dernière fois. On prend position dans la banque et on attend les unités. On aurait pu commencer à négocier ou à discuter, tu vois. Mais. Là, ils avaient déclenché la banque, c'était déjà trop tard. Ouais, c'est con. Faudrait trouver un moyen que la banque soit un peu plus. Pas que du fight, en fait, c'est chiant. Que ce soit un petit peu plus. IRL, j'ai jamais vu une banque où il y avait pas d'otages, par exemple, où y a les banques, c'est quelque chose de complexe. Là, c'est pas complexe, si tu fight, tu tout ce que... Ouais, non, mais là, le but, c'était réellement de fight, parce que les lingots, ils s'en battent les couilles, en fait. Mais justement, mais le problème, ce qu'il faudrait faire, ça serait changer le principe de la banque, parce que la banque, jusqu'à maintenant, pourquoi tu l'as fait? Pour l'argent? Ou pour fight? Et pour fight. Bah ouais, mais faudrait changer ça parce que si on veut limiter le fight, faudrait qu'on fasse en sorte d'avoir un truc au niveau de la banque, quoi. Pas qu'il y ait une négo qui se mette en place vers la banque. Ouais, avec une sorte de négo, tu vois, genre que les mecs ils prennent une pause dans la banque, je sais pas, qui. Un truc sympa à faire, quoi. Ah, déjà la LCO c'est mort, on pourra pas passer, Williams il est occupé. Peut-être à la OL on pourra aller en marque. Oh l'enfoiré! Ah! L'enfoiré! Ah, je pense qu'il a. Il prend sa fin de service pour aller sur. il va sur Satisfactory, lui, c'est sûr, il va sur Satisfactory. Bah, c'est 100%. Sûr. Il a raison. Je voulais y aller à la base, mais bon. J'ai vu que t'étais là et tout le bordel, j'ai fait bon, bah. Y'a personne qui voulait de la place, hein. Un POC. Je vais essayer d'aller dans l'est, je te préviens, il y a les scorpions qui vont nous attendre. Hein. Ils sont, je pense qu'ils sont positionnés sur la douane. Hein. À ce point-là? Ah ouais, ils sont posés sur la douane, je pense. Et le L4 en vol, donc je pense que oui. Un L4 sur la banque? Sur la douane? Non, mais regarde, là, en face, Dimitri Abarovitch, déjà, lui, il est posté en TE, ça c'est sûr à 200%. Soit il est posté en TE, soit... Ah, peut-être, ouais, là où il est, ouais, je pense que oui. Mais oui, je pense qu'ils sont sur la douane. Jeff, pour les unités BA. BK. Trop loin. Ouais, casse-couille. On a des civils. Ouais, c'est vrai, on va se faire fouiller à l'ancienne, quoi. T'as qui, policier, lui?
Leur team sera jamais officiel, ils sont excellents en fight, je vois pas pourquoi ils se priveraient. Parce que là, entre nous, à part la police, il n'y aura pas d'OPC en face d'eux. Ah bah, il n'y aura pas de police du tout en fait. Ça va pas avec la, la tournure que veut prendre le serveur en fait, ce qu'ils font. Ouais. C'est pas grave. Je demanderai de votre fête avant pour que ça marche. Préparez-vous à sortir les fausses voix et les faux papiers, les mecs. Hein. Non, non, t'inquiète, je t'en envoie. Bon, bah voilà, c'est bien ce qui me semble. Il y aura une grosse mise à jour, les gars. On a un LK, enfin, on a sûrement des hommes postés au niveau de la douane sud. On aura besoin de soutien, on est qu'une unité. Ah, non, regarde-toi ce que je t'ai dit. Regarde la douane. Toi ? Bon, bon, allez, allez, bouge. Allez, à tous. Ouais, vous me faites un message langue là, tu m'appelles toute la police sur la douane sud. Ouais, ils sont trop loin, ils sont à la BK et justement. Ah, oh, c'est y pas des, vrai. Si, mais justement, c'est pour ça qu'il y a combien. Ah bah, casse-toi alors, on reste pas là. Il y a un qui vient de me confirmer qu'il a transmis aux unités BK. Là. Ouais, mais on est trop loin, casse-toi d'ici, c'est un coup à se faire prendre en PO ça. A new follower. Ça, c'est un coup à se faire prendre en PO et à être dans la merde. Pas de date pour l'instant, elle sera pas tenue. Ouais, c'est rien passé. Oh, prochainement la mise à jour. Salut Yous, bienvenue à toi, merci d'avoir follow. Ah, BA. Ils viennent à la BA. Ils viennent tous à la BA. T'as vu Daisy, est-ce que t'as vu ma vidéo de Nego ou pas? Ouais, j'ai vu. Alors je lui ai laissé, comme t'as entendu, je lui ai pas laissé penser qu'il y avait un accord entre nous. Hein. Ouais, il n'y a pas d'accord. Justement, je lui ai pas même pas laissé penser. Je lui ai juste dit qu'il restait, dans l'est, qu'il ne cassait pas les couilles dans l'ouest, et puis voilà. Ah. Braquage à la douane, bah voilà. Voilà. Il l'a dit, il allait dépouiller le LCO. Il a dit. Raphaël. Marché noir, ah bah oui, le marché noir, oui, il va être bon. Hein. C'est là qu'on va voir si les gens ont du RP et pas du clic gauche. La vidéo, t'as un clic gauche. Ah bah oui, hein, la prochaine mise à jour, c'est ça. Hein. C'est soit t'as du RP, soit c'est du clic gauche. Hein. Si t'as du clic gauche, bah tu fais deux jours sur le serve. Hein. Voilà, c'est quand d'ailleurs ça? Je sais pas, prochainement, faut laisser le temps au dev de bosser tranquillement. Quoi. Dev, il est sur Satisfactory, c'est pour ça que ça m'inquiète. Elle sera. Tu penses que m'inquiète un peu, ouais. Dans l'été, moi je dirais début de l'été. Il est solo à Dev ? Après, je sais pas. Oui ! C'est assez boulot des devs, les gars. Ils sont où les autres devs ? Et des mappers. Hein. Jamais eu d'autres devs que Jackson, normal, il va pas former quelqu'un, ça serait tellement embêtant et entravant pour lui d'avoir quelqu'un. Attends, à former. Et Hans et Lanslas, c'était quoi alors ? Ils étaient pas devs, ils étaient. Enfin. Il faisait 2-3 trucs au niveau des configs VL ou des trucs comme ça, mais c'est pas être dev ça c'est juste faire des configs. Je pense en toute honnêteté que ça va avoir une perte de joueurs sur le serveur. Tout à fait, c'est même sûr. Et tant mieux. Bien sûr. Parce qu'on va perdre des clics gauche et on va avoir des joueurs qui sont partis pour ça en fait. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis de ALF à cause des clics gauche. Et quand on va se séparer des clics gauche, bah, on va retrouver les joueurs qui sont partis en fait. Donc en fait, compte, oui, on va perdre des joueurs, mais on va aussi en gagner d'un côté. Simplement. Jeff pour les unités BK. On se bouge le cul, arrêtez de vous glander les couilles à la putain de BK. Il y a des hommes qui sont en train de braquer la LCO au niveau de la douane nord, au niveau de la douane sud et nous on peut rien faire avec une unité là. Ah, allez, fou, bougez-vous, putain, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 personnes. Blander les couilles, c'est un truc de fou ça. 18 la cérémonie est passée, les make-up c'est bon, ils se relâchent. Mais non, rien du tout les gars. Faut relâcher la pression, c'est pas de soucis, hein, mais tu te relâches pas totalement. Hein. Mais nous c'est un truc de ouf, on s'est restuff en rien de temps et on est reparti quoi. Combien là la BK là? 18. Ah, regarde la carte. 18 à la BK. 18. Non mais c'est un foutage de gueule là.
Bah justement j'ai vu une comme longue, j'aurais dit de bouger le cul, ils avaient rien à glander là-bas. C'est bon, ils viennent de partir. C'est moi qui ai un problème ou t'es vraiment en marche arrière? Vraiment en marche arrière. D'accord. Oh bah y'a rien de... À toi l'ATM de DP11 s'il te plaît, faut que je dépose des sous. Ah les unités là, y'a 3 unités qui sont en direction de nous là. Yo là, Jean, ok. J'ai dit l'ATM de DP11, comme ça je dépose ce que j'ai déposé là. Et après on fonce pour défoncer la gueule au scorpion là. Toutes les lignes du code du SAV, je les ai, c'est pour 30€ que j'ai ça avec tous les modes. Hein? De quoi? Ah bah ça tombe bien, Farès, t'as le dev qui est en train de te parler, donc tu pourras t'expliquer avec lui. Mais en tout. Après, il peut le. Y a pas de soucis hein, qu'il les réutilise, hein, qu'il vienne place plein du copyright. Hein. Faut être intelligent dans la vie, il aura pas les. Il pourra pas réutiliser tous les scripts. Hein. Script que Jackson a fait ou alors qu'il utilise, c'est soit des scripts qu'il a fait lui-même, donc ils sont pas réutilisés. L'appel de DP11, soit... il est pas là, avance un peu. TM de DP11. Ouais. Je connais pas DP11. Vas-y, avance. Recule. Oui, nous allons faire passer avec MK10. Non, le joueur, le roi des problèmes de jambes. Quoi? Ah, je l'ai vu, c'est bon. Oui, on va faire passer avec MK10. Bon, c'est avec un à un, les unités. Affirmatif. Ils vous font des quartiers d'invitation là pour vous bouger le cul à la douane sud avec des remplis de rebelles qui braquent des civils ou comment ça se passe? On arrive, on est à fond depuis tout à l'heure. Ça y est, vous avez pris vos grades, vous avez pris vos payes, on se relâche, c'est tranquille. Négatif. Bah alors bougez-vous le cul, bordel. Est-ce qu'on change de longue ou pas? On est affirmatif. Et vous passez le message là, vous dites bien que je suis pas content là. Il me fatigue. Hein. Il reste qui à la BK là? Il y en a un qui change la longue, qui envoie une nouvelle longue par SMS là, à la police, qui change sur carte s'il vous plaît. Non mais il y va pas la douane sud. Hein. Pense pas, hein. T'es tout seul là, Jeff. Non, mais oui, mais super. Bah, t'as qui? 3 unités de 2. Ouais, ils sont à combien de mètres, Tuche? Regarde, t'arrives à la BA, ils sont au virage dangereux. On était au niveau du DP11, ils étaient au virage dangereux. Pourquoi ils font pas être aussi lents? Ils sont lents. Oh. Oh, c'est pas grave, c'est quoi? Ça nous donne l'occasion de changer la langue. Hop. C'est de pire en pire cette police, les gars là. Qu'est-ce qui se passe, les gradés là? Vous êtes pas des bons gradés ou. Écoute, Dédé, quand. Bah là, quand les hommes ne suivent pas, malheureusement, hormis les. Ah bah. Bah ouais, mais bon, bah vous les virez, ou vous les sanctionnez, ou s'ils comprennent pas, vous les... Squad, hein. Moi aussi, bah... de la merde, je remonte au lead, et je remonte à leur lead, là, comme l'histoire des véhicules... Je te dis, les histoires des véhicules banales, je les fais remonter, ça a gueulé. Intérêt à ce que je revois un seul véhicule banalisé de la part d'une autre squad, ou des... J'ai juste Echo et nous qui avons le droit, pas aux autres, hein, rien. On a foutu avec des véles banales, hein. Bah moi aussi, je le kiffe, oh, gentil, qui, Jason. C'est qui nous... Vraiment, c'est le seul qui répond, en fait. Qui nous suit au doigt là. Oh, casquette là, c'est toi là. Je te vois. Je vois ton doigt sur mon GPS là. Et ça apparaît sur le GPS, tes doigts? Oui, regarde là, tu vois mon doigt là, bijou bijou. Ah ouais. Mais Dédé, pour prendre le lead à peu près toute la journée à chaque fois sur. Parce que je suis là toute la journée en ce moment, je prends le lead à chaque fois. Ouais, quand c'est moi qui prends le lit, y a personne qui bouge, hein. Personne c'est qui pas, fait de la merde. T'es lead Syrah, t'es pas lead tout court. En Syrah ne prend pas le lead de ah ouais, toutes les unités, quand, il prend le lead Syrah. Sauf que quand y'a que des brigadiers, gros, c'est compliqué. Hein. Ah non, mais c'est clair, Jason c'est le seul que je kiffe parce que c'est le seul qui assume, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien, Jason. Ramsey? Ouais, Ramsey j'aime bien, ouais. C'est le mec, il ouvre sa gueule, il fait les choses bien. Voilà, après il a son tempérament un peu fougasse, mais c'est normal. Mais quand tu lui demandes de faire quelque chose, il le fait. Voilà. Lui, il a compris, lui. Lui, il a de l'avenir, par exemple. Avec moi, il a de l'avenir, ça c'est clair et net, Jason. Aussi. Ça c'est clair et net. Hein. Pour info,
infos, on aurait la LCO, on sait pas s'ils sont partis ou restés, on sait qu'ils se sont fait braquer, on a plusieurs personnes ou PAX au niveau de la baie, de la douane sud, et on a un mec avec un bracelet électronique sur zone possible TE. Kowalski, Paras, ça c'est des CPA, donc ça c'est 5 minutes. Très reçu, hein. Les autres ils viennent de partir. Les scorpions veulent braquer la LCO, donc oui. Oh putain, j'ai pas de Red Bull ni rien. Ah bon ? Ah bah du coup, vous faites votre boulot de flic, là vous allez sur zone et vous essayez de voir. On a un TE là sur la tour solaire, juste à côté à droite. Place un point, casquette. Alors on a un VL, mais si y a un VL à côté d'une tour, c'est qu'il y a un TE. Un 4 aussi. Ramsey, tu m'entends ? Merde. Ramsey de DD, tu m'entends ? Ah si, parfait. Je te fais en courte, je te fais confiance là, tu me bouges le cul de tout le monde là. Des rebelles ou tu parles de chez nous ? Non, de chez nous. C'est reçu, bah ouais. Il veut bien bouger le cul des rebelles, et c'est bon. Non mais les rebelles aussi, hein, je te rassure. Ok, tu veux que je te fasse bouger de la donne ? Bah c'est chez nous les gars, c'est pas chez eux en fait. Attention. On va aller voir la tour solaire, la tour armée là-bas. Reste encore. Donc on va prendre, on va se placer. Restez au front, les unités SIRA en charge de se placer en TE et de localiser les TE autour. Je vais parler pour les unités F2BA, info sur vous. Pax nombreux. Merci, c'est long. De Cyrillite, du coup, on a des Pax dénommés la Scorpion au niveau de la douane sud qui sont en train de contrôler la douane. C'est reçu, nous arrivons. Reçu, multipax, présence de TU sur zone, CPA, si vous pouvez y arriver, scanner la zone à coup de thermique. C'est reçu, ma. Demande-leur de transmettre à CPA en langue, s'il te plaît. T'es sûr que tu vas aller là? Non, je voulais juste regarder s'il y avait du mouvement dans la tour qui est là. Pas l'air d'en avoir. Oh, Dédé. Fais peur. Il faut flou. Oh merde. Il arrive. Pas hein. Regarde la tour armée là-bas. Ouais, c'est bon, je vais. Oh, il est tombé. Ah ouais. Allez, vas-y, va le pêcher, va le pêcher. On va choper un rebelle. Il est tombé ? Ouais, il est descendu en rappel. À gauche de la tour. Attends. Vous êtes en cours de négo ou pas ? Pas fait. Non, à droite, tu vas où tu es, putain, à droite, la tour de droite. Ok, il y a un rebelle, on va pas le laisser partir, le TE. C'est reçu. À gauche, là. Ouais, je le vois, il est là. Ouais. Comment ça, me mettre des points PAC, s'il vous plaît? Ouais, de Cobra 3, on a mis... Salut, Fiston! Ça va ou quoi? Ah, bah, tu vas rester là, tranquillement, hein? Et on va dire à tes copains que, bah, tu bouges pas. Dis à tes copains que t'es un peu dans la merde. Ouais, t'inquiète, ils arrivent, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas, j'ai les miens aussi tout autour, hein, y'a pas de soucis. Mais pourquoi vous êtes tendu? Mais parce que c'est normal. T'es qui, toi? Allô, Mohamed? Quoi? D'accord. Ouais, ça marche, pas de problème. Bon, il y a pas de soucis. Deux VL en dessous de la tour. Dégage de là, toi. Bougez de là. Dégage de là. Avec ta voiture rouge, là, dégage. Tu fais pas beau. T'es pas beau, là, dégage juste. Toi qui dégage. Non, t'as pas compris, en fait. Qu'est-ce que tu fais, là? Viens là. Mais viens, on veut parler, moi, je veux parler. Bon. Non, bah, à côté, là, tranquillement, t'inquiète, regarde. Moi j'aime bien parler avec des gens équipés comme ça. Ah bah non, je peux pas monter les gars, Ah bah il peut pas monter, bon allez. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Explique-moi. On est en négociation avec la police, monsieur. Ah bah justement, bah je veux savoir ce qui se passe. Alors. Alors? Explique. Les gars, bougez. Quoi, quoi là? Pep, tu vas où? Les gars, Hugo il est dans la merde, il peut pas rentrer dans notre véhicule, il y a 3 factures. C'est bon, vas-y, roulez. Descends. Voilà. Voilà. Tu restes avec nous et maintenant tu m'expliques ce qui se passe. C'est plus simple de descendre. Ils ont révélé le casse d'aller. Monsieur, mais c'est vous qui êtes encerclé en fait. Allez, vas-y, explique-moi ce qui se passe là-bas.
Non, non, explique-moi ce qui se passe là-bas, en fait. Allez, explique-moi. Explique-moi. Mais pourquoi tu veux pas être... Explique-moi ce... Voilà, bah, voilà, oui, mais toi, reste à côté de tes copains. Regarde, reste à côté de tes copains, c'est pas grave. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, ils discutent. Mais ils disent de quoi? Comment ils pour Viper? Ils discutent de quoi? Je sais pas, ils discutent des arrangements qu'on a trouvés entre nous. Ah, y a pas... ah, parce que vous avez des arrangements avec la police? Bah oui, il y a des arrangements avec la police. Comment ils pour Viper? Ah bon? On va partir, Charlie. Ah bon? Il y a des... Je comprends pas, moi. Je pense pas qu'il y a des arrangements de la police. Moi, j'ai pas entendu ça, moi. Bah, d'après mes supérieurs, c'est après, moi. Ah ouais, bah, je pense que tes supérieurs, ils se trompent, en fait. On a besoin de vous, là, sur Douane Sud. Ça va pas tarder, je pense. Ça appelle des renforts, les gars. Il y a la Scorpion. Bah non. Ils sont beaucoup. Si, vous connaissez, on prenait pas pour un teubé. Bah non, bah, j'ai jamais dit que t'étais teubé. Faut pas te juger comme ça. Bah alors. Alors, qu'est-ce qui se passe, exactement? Mais moi, j'ai rien demandé, moi. Bon bah si t'as rien demandé, pourquoi t'es là et t'es armé et tu menaces tout le monde avec tes armes? Bah ouais, un petit peu, ouais, quand même, t'es un sniper, excuse-moi, oui. Tu vas me dire que c'est un airsoft? Bah oui, c'est un airsoft. Ah bah vas-y, pose-le, je te tire dessus. Bah non, bah venez, on fait un test, allez. Bah, vas-y, vas-y, pose-le, je le prends et je tire sur la voiture. Si c'est un airsoft, je te laisse, pas partir. On a spot, hein, regardez votre map, il y a beaucoup de monde. Ça aussi, merci. Bon. Donc du coup... C'est le PMA à la VA. Reçu. Hugo. Allez, vous suivez la voiture rouge, c'est sniper. Un film, ils vont sûrement aller vers la douane, ils vont être tous là-bas. C'est quoi cette discussion à deux balles, en fait? Il traçait ce véhicule-là, laisse-le, t'inquiète. Ah ouais, d'accord. Allez, on bouge. Le mec, et tu veux discuter avec eux, ils partent en fait. Et donc, ils stipulent encore une fois que dans l'espèce d'accord qu'il y a eu, laissez à eux, machin. Je sais, c'est pour ça que je leur ai dit leur pseudo-accord, là, c'est rien du tout. Nous, c'est le gouvernement, c'est la police. Et que l'île, c'était pas rebelle. Et ça, ils veulent pas comprendre. Je viens d'avoir une information, apparemment, sur la banque, on a Taylor qui a été pris en otage, le général de la sécurité. Où ça? Le général de la sécu qui a été pris en otage à la banque. On peut rien faire. Bah là on peut pas faire grand chose. Hein. Ouais, c'est hors de priorité. Alors c'est soit le général de la sécu, soit c'est le machin. On est tous pas. Mais c'est pas la même action. On a pas de nouvelles tasson. Et bon c'est toujours par rapport à la banque, je pense là, Taylor. Oui, j'ai reçu des messages de Taylor comme quoi il est encore en otage dans la banque. Bah. Est-ce que je prends des impôts du coup sur la négoce, on en est où? Bah toujours en négociation, pour avec le négo. Ah Martine, tu peux me passer un véhicule au fichier? Vous avez compté combien une bague? Ouais. YZ3223, Mercedes-Benz, noir. Faut leur mettre la pression. Merci. Pour se poser les armes. Pour info, ils sont toujours deux par bâtiment. Encore un VL 36, hein. Jason Smith, en attendant, les gars, les compagnons. Je me demande s'il y aurait pas un mec là-haut, là, mais je veux pas voir. Le mec doit être allongé ou je sais pas. Où ça? On a du CPA en l'air, là? CPA de DD, vous êtes là ou pas? Hein, sur la BK, c'est plus drôle d'être à la BK. Non, mais tu rigoles, là. Tu crois... Si, là, ils ont 4, enfin, 4 personnes à la BK, ouais. On a aucune unité aérienne, donc là, les deux L4, ils vont nous dégommer, hein, si jamais. Bah oui. On a besoin... Envoie un message police, DD. Aérienne. Ça y est, c'est fait. C'est fait, il a envoyé CPA du Nokia 3310. Mon vieux, son téléphone, il utilise un 3310, et... Ok, comment aller pour les autres unités, vous m'en savez? Ouais, très bien. On est d'accord, je leur dis que leur corps c'est de la merde. Mais y'a pas d'accord, les gars, y'a pas d'accord. Non, mais je leur dis que l'accord c'est pas un accord, quoi. Ah bah non, c'est pas un accord. Parce qu'en fait, ils arrêtent pas de me dire, ouais, l'accord qu'on a eu. Et donc, du coup, je leur dis très bien qu'il y a pas d'accord, que c'est chez nous, toute l'île. C'est pas un objectif.
C'est un sol gouvernemental en fait. Ah mais putain, à quel moment tu prononces le accord de thèse sur le tour solaire. Réitéré. 2 TE sur la tour solaire. Laquelle? Là où il y a le point de TE en rouge. Ils sont deux en haut, ils sont en train de nous regarder. Nous sommes actuellement dans la tour armée sur Paris. Petit bisou et sur la deuxième là. Ouais, okay, bah voilà, tu je t'as. La tour TE, il y a deux packs, ouais. Où ça? Ils veulent qu'on parte, c'est leur territoire. Pardon? On va chercher un TE, Dédé? Ils veulent pas qu'on parte parce que c'est soi-disant leur territoire. Ils ont pas de territoire. Dédé, monte dans la voiture, t'es blessé. Ouais, en plus. Y'a que ces deux TE là, quoi, t'es repéré pour un sort. Prends les covers sur moi, s'il vous plaît. Négatif, y'a encore des TE dans les tours solaires. Ouais, mais y'a que ces deux-là pour l'instant. Y'a la voiture rouge aussi. Afi. KTA Afi. Tu les invites à partir à Sofia. Voilà, tu les invites à partir à Sofia. Tu leur demandes des armes, s'ils veulent pas te donner des armes, tu les invites à partir à Sofia. Hier soir, c'était pareil, les gosses, on a fini par les taper, ils ont rien fait. On a pas eu une perte et on les a chopés. Ils sont très très peu, quoi. Très peu. Déjà, faut leur faire comprendre que si c'est l'Est et bien chez eux, pourquoi j'ai des hommes armés à l'Ouest déjà, sur des tours solaires déjà. Et pourquoi j'ai des rebelles en Porsche rouge qui me menacent avec des snipers haut de gamme. 9, ils sont 14, comptez. DD, tu m'as reçu? Ouais, je t'ai reçu. 14. Je dirais 14. Peut-être 18. Pourquoi la porte s'ouvre pas là? Allez. Qu'est-ce que tu fais toi? Chercher un TE pour toi. Apparemment c'est pas avec eux, c'est de la grosse connerie ça aussi. Quoi? Le TE qu'on a trouvé dans le tour solaire. Ouais. Non mais j'ai donné rien à deux. Ils sont deux. Non mais il y en avait un qui était positionné sur les tours solaires qu'on a fait dégager. Donc oui c'était avec eux parce que ils étaient habillés en sable. Ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Et ils sont toujours sur la tour solaire. Donc c'est simple. Vous leur dites clairement. On les invite gentiment à partir vers Sofia, où il y a un manoir qui les accueille les bras ouverts. Sinon, on fera une autre proposition, mais moins gentille. Sans parler de menaces. Hein. Faut qu'on les soulève et qu'on fasse comme ils ont fait sur le forum. Hop, cadeau. De quoi? Ils ont fait une putain de communication sur le forum, mais tu vas la lire, tu vas péter un câble. Ah, il m'assure que c'est pas une grosse connerie, ça. M'en bats les couilles, ils sont habillés par eux. Et en plus, il y a un L4 avec un sniper au-dessus de l'océan. Faudra m'expliquer aussi. Ah, bisous. Faites gaffe, la Porsche rouge se dirige vers le blanc. Station contre TU. Noir. Code noir, confirmé. Pilote abattu, j'ai mis. Ouais, c'est parti. Reçu, bon allez, code noir, on enclenche les gars. Proposition, quoi. Affirmatif, confirmé. TU, Dédé. Collègue. Ouais, bah je sais. C'est de la négo. Je confirme ça. Place pour les deux TE là de la tour solaire. Konamu, on se rend sur zone, on a des coma, il reste un pack sur négo. Une distance. Distance. Allez, télémètre, sort plus vite. Donc bougez, mais 611 mètres. Ils sont où? Deuxième, milieu? 611 mètres, tout en haut. Ah, et battu sur la tour. Je vois pas. Au milieu? Laquelle tour? Non, tout à droite. Ils ont pas bougé. Ouais, je vois pas. Justement, hein. Ils ont dû bouger, ou alors, je sais pas, mais y a plus de visu là. Je les vois pas. Normalement, d'ici, on a un putain de bon visu. Ok. C'est clé sur Nego là ou pas? Et le véhicule rouge qui tourne autour de vous en fait. 3 packs dans le véhicule rouge hein.
Bouger quand tu es là en haut. Je le vois pas, je le vois pas. J'essaie de trouver Dimitri Abarovitch là, à kilomètre 4. De Doc, on a le véhicule rouge en surposition. Ok, on peut nous ramener. 3 packs. Mets-toi là, regarde ici là. Segda. Je sais pas si t'arrives à le voir. À Zimut 90, à 1100-1300 mètres, il y a une RS6 ou une RS7. Il y a un mec apparemment là-bas. Ouais, tu as vu. J'ai vu, c'est bon, vu. Zimut 489, à 1400 mètres. Il est en train de parler à sa radio. T'es prêt, t'es où? 1400 mètres? 1400 mètres, ouais, la fille. Le truc, c'est que je peux pas trop m'amuser à regarder les cartes là, tu vois. Sur ta gauche, dans la même. Il y a un blessé, un coma? Ah, si, un coma. T'es sûr, 1400 mètres? Avec deux sports qui viennent d'arriver. Rapproche à, 1000, rapproche à 1100. 1100, ils se sont rapprochés là. Info? Casquette? Et le truc, c'est que je vais pas pouvoir faire mieux. Ouais, hein. Il m'a fait peur lui. Info? Sur le team de CO, jamais dans un véhicule. Qui est tout en haut, Dédé, Dédé, tour solaire du milieu. Ouais, lui, 611. Tout en haut, Azimut 48, 523 mètres. Tu vois sa tête dépasser M200. Tout en haut. C'est même l'embarqué ici. Combien, combien? 523 mètres. Azimut 48. 48. Tout en haut, au-dessus de. C'est bon, il est dans ton véhicule. Vas-y, mets-lui. 500? 523 mètres. De toute façon, tu mets à 500, ça passe direct. L'oreillement, non, oh non, ah non ouais. J'ai eu peur. Dire, tu peux pas enrayer que ça. T'as, vous parlez trop vite, les gars. Moi, je suis à fond là. C'est celui qui est couché là, on est d'accord. Ah, fille, celui qui est couché. Ah, putain, un peu plus haut. Un peu plus haut. Ah, mais. Ouais, c'est le sac à dos que j'ai. Ah, mort. Ah, touché, GG, moins un. Elle est partie direction les tours solaires. À deux topiers, les tours solaires actuellement. TE, tour solaire abattu. Octop, on tira. On se met. Allez, écoute. Fais gaffe à l'écho. T'es eux qui est mort dans la tour. Pardon. Balle de M200 ou jusqu'au bas? Une mallette. C'est reçu, vous avez besoin d'extraction? Mec, ça ira pour l'instant, je vais t'en pouvoir un peu. Je vais faire plus vite, mais. Bon, redonne-moi les, la distance là-bas. 1000. Tac, 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 tac. Y'a plus de packs. 90, là, 1100, 1200. Voiture rouge, coma, tour armé. Deux comas. VL que j'ai tracé n'ont toujours pas bougé en tout cas. Ok. Quoi ce VL? Ah, j'ai envoyé mon arme. Voilà. Bon, ça l'a fait chier. Tac tac tac. Alors, il est où le petit? Oh, bah, il s'est fait. Il s'est fait déglinguer, j'ai l'impression. Octa, ça va. Il y a le VL rouge au niveau d'Octa. Là-bas, j'ai des véhicules, faut voir. Jeff, on peut le opérationnel transmet. Ah, nul comme, je voulais juste savoir si vous étiez encore en vie, élevez le rouge à vos pieds. Ouais, c'est bon, ils sont morts tous les deux. De Doc, est-ce que on a encore des unités blessées sur zone? Et après, tu peux que la. Ah non, j'ai pas de valise, non. Ah oui, c'est le véhicule de sport. C'est une grosse présence de CPA. Hein? Bah là, grosse présence de CPA. De Cobra 3, j'ai un blessé. Avec le 4 là qui volait. Enfin, il est toujours blessé d'ailleurs. De chez nous. Si on a un Cobra 3, c'est qui? Adams. Il y a l'hélico qui va nous survoler là, le Yumi. Essaye de l'extraire sur PMA. Ah, si t'as un mouvement, tu peux l'extraire sur PMA. Évitez juste de donner la PMA en cours. Je vois rien du tout, je vois R. Faisa dead sur William Vico. Clac balise, clac balise. Il me faut juste Medical qui vient sur moi. J'ai Forest coma. J'ai rebattu les deux packs. Ah attends, parce que là. Pour William Vico. Aïe aïe aïe. Mach 9 en approche. Mach 9 là, si tu veux là, 1100 mètres, c'est stable. Azimut 80. Ah putain, il monte. Bonne chance. Il tire.
Fais gaffe quand tu tires l'OPE. T'es prêt à m'envoyer le deuxième ou pas? Parce que là, je suis vachement prêt de tes shoots. Hein. T'es cassé, c'est cassé, t'inquiète. Ah, il est décédé, il est décédé. Là, je vais juste lui prendre une balle. Hein. Non, il est pas décédé. Dépêche-toi. Il monte en très haute altitude là. Il fait mal à BS, c'est ça? Ah, fille. 1140 mètres. Attends deux secondes. Vas-y, essaye là. Normalement, j'ai touché. Normalement. Je suis pas sûr. Ah, il est encore vivant. Ah, il est mort, mais. Allumine, si tu le touches avec une OM200, c'est rouge direct. Hein. Endommagé voire destroy. On va passer sur la LRPF. Hein. Putain, il est méchant lui, il m'a mis comment? Non, ça y est. Il a tiré à travers toute la carlingue du véhicule. Encore le Yumi là? The Jeff, est-ce qu'on a encore des packs TE ou autre présent? Faites un check de tous les points cartes là et actualiser, supprimer ceux qui servent à rien. Point 2 packs mis sur. Il y en a trop des points de packs, les gars. Doc pour le blanc. Point 2 packs, excuse-moi dès que c'est ouvert la barrière. Attends, point 2 packs. Je vais dire, j'ai pas entendu. Ouais, la barrière est ouverte. Point 2 packs noir. Négatif. Bon allez, on bouge, on va se prendre une place. N'attendez que toi. Ah oh, oui, bah fallait me le dire. Moi, je vous attendais vous en fait. Hein, ah bah. Ah. Essayer d'aller voir. Se bouffer les rouges. Ok, tu confirmes les deux packs là sur le point de packs. Ah si. Voilà, on va aller chercher. On va aller chercher à pied. Hein. On va prendre le thé. Il y en a un encore sur la douane qui est dans le Mirador Camoul. Ah, emmène-moi à la tour armée là. Oh. Tour armée là. Ouais. Wow. On remonte avec qui nous? On va tirer la à 2DD, on va tirer tour armée au port. Il y a déjà été dedans. Hein? C'est clean dans tour armée, j'y suis. Ah bon, bah on arrive. Bah c'est ta culotte, c'est moi qui pilote. Yes. C'est moi aussi. Je vais me pas monter une tour en mer. Sur douane commun. Bon, on est bon. Enfin, distance. Oh, ma belle. Distance d'où? Bah, la douane. Y a un mec. Où ça? Point 2 packs sur carte. Donc pour toi, c'est ce qu'on a encore dépassé. Ouais. Noir. Y'a un mec dedans, il était en bas. Combien de mètres? Il y en a moins de le blanc. 600 mètres. 600 mètres. Ok. 585. Le blanc, tu vois ça. Là où y'a la BM noire, c'est ça? Je n'ai plus trop de bulles. Ok, y'en a pas d'autres ailleurs? Pas dans ce coup. Tu me reçois? Affirmatif. Je vais checker en un les points de packs. Et CTBA? T'es où, Picos? T'as la BR? On a encore un pax, je vous le mets sur carte dans une maison abandonnée. Ah bah putain, c'était le temps que CPA arrive. De Jeff, retirez-moi tous les points de pax. CPA, DDD. Vous avez un Emil Burn blanc et rouge avec tenue sable à neutra. C'est bien pris. Reçu, il y a un Ifrit qui revient sur vous, plus ouais. Un pax dans une maison. Pax dans la maison, point, s'il te plaît. Ok, ça va nous rush, t'es prêt? Vas-y, je me mets en bas. J'ai une grosse batteuse, les gars. Allez, go, c'est parti. 18 TPS, Rina qui est prêt à partir. Négatif, tu m'attends, je pense. Comment ça, elle a une grosse batteuse? Non. Viens, on va dire quelqu'un qui descend et qui met une herse en bas. S'il peut. J'en ai une si tu veux, je peux me dévouer. T'arrives à mettre une herse pour faire en sorte que nous on puisse l'esquiver, mais pas eux. Vas-y, viens, viens, viens. Viscos, tu restes là? Affirmatif, je te reste pas que c'est réalisé. À tous, pour information, Ifrit qui longe l'océan en direction est. Attends, non, annulé. Est-ce que le Ming il est déjà en code noir? Ah, fille. Ok, on pourchasse et on descend. C'est quoi le bruit? C'est eux, c'est casquette. Casquette, t'inquiète.
Ok, c'est bien, vous avez une deuxième équipe ou pas? Elle arrive, il y a eu un problème à la backup. Ok, vous pourrez l'envoyer sur les frites. Non, on va faire un truc, moi je vais rester en bas, comme ça si ça vous voit, je suis derrière. Ah, ok, fais attention à toi. Est-ce que tous les points packs sont encore à jour? Mec, ça fait 5 fois que je demande les clean. Combien le mètre la douane là, le mec couché là-haut? Le mec couché, la douane. Un mec couché là. Je la vois pas là. Ok, ouais, je vois la douane, ouais. Un mec couché. Ouais, 693 mètres, c'est bon. 693. Mais il est mort, le mec, il est comment hein? Il est comment? Ah, je crois, il bouge pas. Et il a l'air d'être en position latérale de sécurité. Bah, maintenant il est mort. Bah, là, il est décédé. Il était coma, mais ça, c'était avant que des dérives. Non, mais c'est pas ça, s'il se relève, on sait jamais. A new follower. Salut Romu. Oh, salut mon petit Romu. Wesh mec. Je crois que c'est toi mec. Gadjo là. Lui, bienvenue, lui. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Si c'est toi, bienvenue. Si c'est pas toi, bah bienvenue aussi. Au lieu de ouvrir les coutils. Allez, arrête-toi. Allez, Frit, il va s'arrêter. Il s'arrête. Ouais. Madame Zolo Blanc. Le. Allez, monte avec moi. Mets-toi à l'entrée de la bière. 5. On est déjà à Telos. Ok, j'ai pas vu, désolé. T'as vu là, il est faible au niveau des roues. 500 mètres, Ici, Kevin Magny, je remonte comment? Ah bah. Ok, il y a des packs sur les frites. Hein. Ok, CPA, urgent, besoin de vous sur Ifrit qui prend la fuite. 3 packs à l'intérieur. Direction route principale, direction est. Reçu. Il est en off-road total. Direction est, je confirme. Vous savez s'ils ont un lynx ou pas? Aucune idée, mais armement lourd. Hein. Ils prennent la fuite. Hein. Donc je vais essayer de les choper vivants si c'est possible. Ifrit, normalement les pneumatiques sont orange. Hein. Plusieurs balles de TE dedans. Bon allez, nous on bouge. Jeff, l'Ifrit est suivi d'un autre VL noir. Il n'y a plus de box dans la... le CPR, information sur la position de l'Ifrit. Partie direction en traquien. C'est mon VL, Dédé. Ah, c'est ton VL. Putain, mais qu'est-ce que tu fais en civil tout le temps, toi? C'est cool. Doc à nouveau opérationnel. Est-ce qu'on a des blessés? Par contre, j'ai peur de tomber dans le... C'est con. Doc de Leblanc. Transmet. Kanamo, il est vivant ou pas? Il est en poulant, donc bon, là, il y a parti de rétablissement qui du véhicule. Il s'est reçu. Mais il est pas en danger. Bah dis donc, Romu. Nice. On l'est prêt à temps, donc. Alors, c'est mon petit Romu ou pas? Il n'a pas encore parlé, Romuald. Normalement, c'est lui. Si c'est pas lui, bah, c'est pas grave, merci à toi. Bon, c'est bien joué, faut dire. Ils essayent. Là, je ne critique pas. Je ne juge pas, j'aime bien. Parce qu'ils essayent. Et c'est bien. Il y a un ego, il y a machin. Et il n'accepte pas les propositions de chaque côté. Et pourquoi il y a un véhicule Marshall, là? Justement, j'allais faire demi-tour dessus parce que c'est ce que je me demandais. T'es fait défoncer le Marshall ou quoi? Bah faut croire hein. Patrick Jane, hey, c'est le colonel. Ah ouais. Tu veux que je te récupère ma quoi? Ouais, faut la fourrure. Rien. Non, pas fourrure, non, pas fourrure. Ah pardon. Oh putain non. Moi je gueule. Non, c'est pas fou rien. Non. Oula. Ils font déjà un meilleur boulot. VL hein. Ah oui non mais là je juge pas, je critique pas. Les mecs ils tentent des choses et tout, c'est bien. Je suis content. Jeff, est-ce qu'on a encore des packs wood? Je ne répondais pas les gars.
Aucune info. Pas d'info. Des docs, aucune information. Ok, vous pouvez nettoyer la carte sur le, vos points et je vais une com longue sur CPA pour information sur les frites. Bonsoir, hier quand tu m'as sorti le main blanc, j'étais plié quand t'as mis la percutoire. Quoi ? Bonsoir, hier quand tu m'as fait, quand tu m'as sorti le. Je m'en bats les couilles, j'étais plié quand t'as mis. Ah d'accord, reçu, ouais, bah c'est pas grave. Ok, on sécurise le site, on nettoie le terrain pour que les civils puissent prendre la route en sécurité et on reprend notre travail. Je pensais que tu l'avais mal pris en fait. Mais c'était pour rire. Je te rassure. Et on en est où sur l'histoire du général de la sécurité civile? Bah, il discute avec moi et apparemment il prend une tasse de café avec eux. Ah d'accord. Ouais, apparemment il est pas menotté, il a encore tout son équipement donc. Bah, de toute façon. Alors pour information aussi, il me donne des noms au cas où. Il a rendu au quatrième nom qu'il me donne. Bah, des prénoms plutôt. Super. J'ai pas les noms mais les prénoms. On prend tous les VLPACs. Même quand je disais que vous n'êtes pas aimable. Bah oui, bien sûr, ça me fait marrer. Non mais alors, en jeu... Oui. J'ai un Rafale. Moi, j'ai remboursé mon M200. Bon, bah, ouais, nickel. J'ai un Rafale au bout dessus aussi. J'ai trouvé 200 000 par terre. C'est celui qui parle avec moi souvent. Non, non, alors, c'est pas... Parce que dans le jeu, j'ai une intention de voix qui paraît que je suis énervé. Alors, je suis pas du tout énervé. Enfin, tu verras sur mes lives. Voilà, la tête que je fais, j'en rigole. Hein. Y'a pas de soucis. Hein. T'inquiète. Y'a pas de problème. On a potentiellement des packs sur Octavia, bord de mer. Il vient de s'arrêter en VR. Couleur sable. Apparemment c'est civil. Mais il s'est arrêté en plein milieu de la plage. C'est normal, j'ai des grappiers, on appelle ça les corbeaux. Madame, sur ma position, il y a un véhicule. Et il y a un truc qui dépasse du coffre. C'est bon, j'ai remboursé ma voiture. Ah, ça c'est pas normal par contre. La BD, faut que je passe à un ATM proche. Il y a quoi comme bateau qui traverse le blindage? Tout, M249. Le blindage? Ah, le blindage? Non, du 762. Ah, mais y'a des bateaux dans cette 62? Neg. Neg, y'en a plus. Les véhicules là, on les fait, on en fait quoi là? Ouais, ouais, c'est un cap, Pax, qui vous fonce dessus, désormais, y'a du bizarre. C'est du noir, il va se désolé. C'est des trous en fou, on les a tous un par des. Mais le bateau sont tel. Tel, le gouvernement, il nous les donne, alors bon. C'est du noir, il est solo. Oh, regardez, c'est le bord. Le dragon, est-ce que vous avez des Pax ouais. Non. Je viens de retrouver 350 000 par ce. Mais c'est pas un de, un mec, Pax Là j'ai 649 000 sur moi. De la fois le véhicule gris c'est pas. Ouais tu peux obligé de faire de l'argent immobilier en fait. Est-ce que vous avez besoin d'objectif terminé dans le Pax? Opère le Pax sur la plage, on fait quoi? Dédé, on prend ou on laisse sortir? Tu prends? Ah ouais, c'est t'inquiète, okay. Ça va dans les deux sens hein. C'est dans les deux sens. Dragon, est-ce que vous avez besoin d'un check thermique? Si oui, annoncez la zone. Tu veux un check thermique? Tu veux un check thermique ou pas? Bon. Ah fille, ouais, si vous êtes disponible pour un check thermique, je veux bien. C'est bien pris, je check la zone. Merci. Alors, fight gagné, j'ai pris une tatane à centre MDR. Ouais. Mais c'est bien joué. De toute façon, il faudra que je te parle, mon petit Jason. Parce que j'ai quelques objectifs pour toi. Merde, il était là. Ça me plaît, ça. Je l'aime beaucoup aussi, Jason. Kiff. Gentil, ce mec. Casquette. Alors, lui, elle est ouverte la voiture ou pas? Elle est ouverte. Ça s'appelle alors, boom, ça. Ouais, exactement. Je vais lui apprendre à parler, moi. Allez, du coup, de Jeff, on récupère tous les véhicules de civils, enfin des packs là, on les ramène à la BA, ça va faire boom. Dragon, pour le moment, il reste sur secteur. Reçu, nickel. Appuyez les unités au sol. Faites un visu, un... enfin, faites-vous le boulot, en fait. On a un véhicule Marshall sans pression, ça arrive. C'est bien. Ouais, c'est pas normal, faut rire. Ah, tu voulais pas discuter avec moi, avec ton gros pétard, et ben moi je vais discuter avec ta voiture. Pas de soucis. Oh, c'est quoi toutes ces mallettes là?
En plus, quand vous m'avez trouvé dans ma maison armée, j'allais découvrir, j'ai le seum, après j'ai joué à l'action. Bah ouais, ouais. Bah, je m'en suis douté que t'avais le seum. Ah, tout le monde aurait eu le seum. Hein. Oh, je suis sûr. Tout le monde aurait eu le seum. Le seum aurait eu le seum. Bon, après c'est dur. Si j'arrive, voilà, je sais pas. T'es ça là? Ah si. Quelqu'un pour l'aider? Attention. Avant de faire exploser tout ça, on fera une petite photo devant la police, devant les VL. Non, on n'est pas rebelles les gars. Pour tout le monde, est-ce que la PA on l'enlève ou pas du coup? On est plus blessé donc on va parler. Éloignez-vous de la BM. Moi j'ai pas arrêté, s'il vous plaît. Ah bah t'as 20 secondes. T'es sûr? J'ai un corps gagné. Oh putain. Qui est trouvé là-dedans? Toutes les unités, évitez la porte arrière. Fais le VSTR. Évitez la porte arrière, ça va exploser. Et il manque des véhicules. Wouh! Ah, bah vous inquiétez pas, on va en refaire, les gars. Est-ce que tu pourrais venir sur moi, s'il te plaît? De quoi? Est-ce que tu pourrais me tenir? T'es sûr? Bah, t'es où? Au mur. T'es pas là, mais t'es où? Ouais, du coup lui il est pas avec eux. Et ouais. Il était armé illégalement, il est sur la plage, on fait quoi? On lui prend ses armes illégales. Bah oui. Bah tu lui prends tout, hein. Il a rien à foutre armé. Monsieur. Ouais. Est-ce que je peux juste m'exprimer s'il vous plaît? Exprime-toi. J'ai coopéré à 100%. Dès que je sais plus. C'est bien fiston. Ah d'accord, donc c'est pas. T'as déjà un casier ou pas? Affirmatif. Et tu comprends pas? Si. T'as envie de quoi? T'as envie que de finir sous une corde? Accroché à un arbre? Badgeus? J'y suis, monsieur. J'ai merdé. Mon but, pourquoi t'as merdé? Parce que, en fait, c'est qu'il coûte très cher. Et vraiment que je ne pas possible. Et je savais pas où le mettre, j'essaie de le vendre à une personne qui avait déjà le châssis qui vend. Et en fait, parce que je cherche à brancher mon casier. Et si on remet un peu dessus, ça va pas être possible. Parce que. Voilà, c'est... Bon, détache-le. Détache-le. Tu sais ce qu'on va faire, fiston? Je vous écoute, monsieur le policier. On va faire un Shifumi. Un 3, 6, 4. 3 papiers, 6 pierres, 4 ciseaux. Vas-y, descends les matins. Vas-y. Ça, c'est le stress, ça. Bah oui. Hein. Allez, on fait ça en 3 manches. 3. Alors, 3 papiers, 6 pierres, 4 ciseaux. Papier, pierre, ciseaux. Non, ciseaux. Papier, pierre, ciseaux. Non. Papier, pierre. Papier, pierre, ciseaux. Ok. Voilà, tu l'as. Voilà. Papier, pierre, ciseaux. C'est bon? Allez, il y en a un qui fait Shifumi là. Moi. Allez. Oh, je stresse, monsieur, je veux pas qu'il dise. Allez, vas-y. Allez, stresse pas, regarde-moi droit dans les yeux. Allez, quand tu veux. Shifumi. J'ai gagné. Eh, trop tard, t'as triché. Un point pour moi. J'ai triché. Oh. Bah, ouais, t'as attendu que je fasse mon truc pour faire l'autre. Vous m'avez tiré de mauvais yeux, fallait que je regarde les yeux. Dès qu'il a dit Shifumi, 1-0 pour moi. Shifumi. T'as attendu. Bon, allez, un partout, égalité. Ouais. Shifumi. Un partout. Shifumi. Non. 2-1 pour lui. Putain! Putain, attends. De toute façon, monsieur le policier, je vous pisse. Non. Non, mais si je perds, je suis de mauvaise humeur en fait. Allez, vas-y. Shifumi. Ah oh, putain, il a gagné. Ah oh, putain! J'ai perdu Shifumi quoi. Bah, allez, tu lui enlèves ses armes et tu laisses partir. Monsieur, vous êtes vraiment le policier le plus honnête du monde. Ouais, mon, co-
Je reviens. Je viens de perdre. Quoi. Non, non, mais c'est normal, je vous comprends, vous équipez, il y a des jeunes, c'est normal, t'inquiète pas. Mais non, non, pas, mes deux échos étaient malheureusement KO et du coup j'ai dû en rééquiper deux d'urgence. Ouais, non, mais c'est bon, t'inquiète, je sais. En plus, il était coma. Ouais, en plus, vous avez fait de la merde, c'est normal, c'est l'habitude d'apprendre. Bon, ok. Tiens, j'ai perdu au Shifumi, putain. Si vous voulez, je vous apprends comment jouer, gars. Putain, j'ai perdu au Shifumi, putain, je te retrouve, on en refait. C'est quoi ton nom? Anthony Parker, Parker. Dès qu'on se retrouve, je te promets que je te laisserai plus gagner au Shifumi. Je viens trouver le téléphone. J'ai mon casier et j'arrête tout ce qui est mauvais, monsieur. Ah bon? Moi, c'est tout ce qui est... Ouais, tout ça, c'est fini, ça. Moi, je veux dire un esprit sain. Alors, ah ouais, d'accord. Bon, bah, bientôt, alors. Jeff pour Baranos, mais je suis alors, il est plus policier, accessoirement. Bonne soirée à tous, je vais vous aider. Bonne soirée, mon petit tuche. Fallait faire quoi, là? Présent ou pas, là, sur le... Ah bah, je vais chercher une blouse. La BM, là, qui est là, qui est au nom de Nathan Delcourt, c'est pas... Bon, je vais rechercher des bons booms là. Moi, t'auras gagné. Je vais avec toc toc toc, monsieur. Non, mais réellement. Oui, ok. Comment t'as fait, gros? Et content. Mais si, c'est vrai. Flic, frère. Si, c'est vrai. Mais non, hey, mais vous êtes des malades, vous. Hein. Oui, mais... Ça, c'est la police, ça. Ça, ça, c'est la police. Il a rien fait, le pauvre. Mais oui. Mais moi je voulais pas la... Parker! Mais bonne journée. Parker! Je te retrouve! Je te laisserai pas gagner. C'est compris. Wesh, même les flics, t'es pote avec eux. Bon. Vas-y. Allez, ça. Bah, allez. Ah merde! La chance. C'est quoi ce bordel là? Bon, bah... T'as fini de faire Hulk avec les voitures. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elles tiennent pas dessus. On fout, tu veux péter quand même. Sélectionner la mise à feu, minuteur. Oh merde. 1 minute 30. Oh! Attention! Tu vas où? Casse-toi! Je suis prisonnier! Ah bah tu vois, je m'en fous, tu te démerdes! C'est pas mon problème! Ah bah non! T'as un DD, j'ai besoin que tu me fasses un stock de ces petits trucs explosifs là! Ah ouais! Casse-toi! La prochaine fois, vous discuterez avec moi! Excellent. Attends, faut que je prenne une photo de toi là. Attends, je t'ouvre la porte. Vas-y, tu peux prendre une photo. Par contre, si la voiture elle arrive jusqu'à Dédé, je rigole. Dédé. Oh, ton écran. Ah ouais, c'est parti. Et allez, on bouge. Hérétique pour parler sur la. Quoi? C'est combien une charge explosive? 25 000. Combien? 250 000. En DD. 25 000. 250 000. En 25 000. Non, 250 000. 25 000. Non, m'en fous, t'as pas le droit de les avoir, c'est 250 000.
Aïe 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 aïe, je suis officier Dédé. Ouais mais t'as pas le grade. Y'a d'autres combats. Allez on bouge. Allez on bouge les gars. A tous du colonel on bouge. On verra la photo de Dédé. Ouais. Allez c'est parti. Colle de la charge, la pose par dessus. Ouais. Mais je voulais essayer sur le capot, mais ça marche pas sur le capot. Ah ouais, mais pas, tu mets pas devant quoi. Attends. Ça m'a pas du tout calmé hein, le truc. Hein. Ça va pas là. Ah ouais. Ça va pas là. Hein? Tu crashes, tu dégrades. Conduire le jet? Dégrade. Quoi? Aïe. Voilà. S'il aurait discuté avec moi, il n'aurait pas eu sa voiture explosée. Oh, le casino, il est toujours pas là? Écoute, toujours pas, hein. Que je te fasse une confidence, Dédé. Quoi? Le casino, il est parti sur Tirna. Pourquoi? Yes. Les potes de Tirna qui l'ont dit. Ah bon? Je sais pas, le casino, il est parti sur Tirna. Ah. Ça tombe bien parce qu'on en a un autre ici. Ah. Ce que je disais déjà à propos de si tu te crachais? Est-ce que je me suis craché? Est-ce qu'on a cassé? Non, mais fais gaffe. On va aller voir au bijoutier ce qui se passe. Hein. Ah, Shifumi. Hein. Des fois ça passe, des fois ça perd. Hein. Du coup, tu l'as vraiment relâché? Oui. Parce que tu l'as gagné au Shifumi? Bah oui. Aïe, ah. Le génie. Bah, je lui ai donné ma promesse que s'il gagnait au Shifumi, je vais relâcher en lui prenant les armes. Donc je lui ai pris les armes, je l'ai relâché. Vodokai ? Non. On le fait flipper ou pas ? Non. C'est un pauvre citoyen, c'est pas lui qu'on doit faire flipper, les gars. Lui dire qu'on est là aussi après. Bon, on se fait penser pour des rebelles, après on dirait en fait c'est la police d'Elti. On s'en est grillé. Je sais, quand il aura assez de thunes pour s'acheter la licence rebelle et des armes, il nous niquera la gueule. Pas con ça. Hein. Fréquence de loup blanc. Hein? On va peut-être passer canal plus, c'est comme tout le flou de canal 1 là. Qu'est-ce canal 1? Ah bah. C'est ensuite, c'est pas normal ça. On change pas de fréquence. Non, non. On va voir avec les sub. Les Cobra, canal 3. Bref. On en fait quoi? Cobra lead de Dédé. Cobra lead de Dédé. Transmet. Qui c'est le Cobra Lead? Vous recevez sur radio? Cobra Lead, Dédé. Afi, on reçoit là. Qui c'est le Lead Cobra actuellement là? C'est moi, Ramsey. Parfait. Quoi de situation sur le bijoutier? Ah ouais, c'est vite. Ok. Putain, casquette. Quoi? Pourquoi? T'sais, j'avais dit hier là que mon Oasis il avait un goût de merde. Ouais. Pourquoi il a un goût de merde? Parce qu'il y a marqué sur la. Non, parce qu'il y a marqué sur la. Il y a marqué sur la. Sur le petit étiquette. Composant 100% naturel. Yes, c'est dégueulasse. Tout ce qui est naturel, c'est pas bon, hein, de toute façon. Ah oui, c'est connu. Oh mec, tu vas bouffer 40 000 murs par seconde. Oh mes yeux. Okay. Tout va bien. De quoi? Vous aimez pas les fruits? Fruits? 5 fruits et légumes, les gars? Dégueulasse. Bon. Ah mais c'est bon les fruits, ça mais oh putain, là, l'Oasis Tropica il a un sale goût, il a un goût de chinois, il a un goût de souche soja, ça n'a aucun sens. C'est quoi ces hélicoptères hein? Ça arrive de temps en route. Hein? Plus de rotor là surtout. C'est un truc de fou là quand même.
Mais c'est quoi, c'est... Tu peux conduire, s'il te plaît. Oui, il y a pas là-bas. Ah bah, mec. Quoi, des hélicoptères ici. Tout va bien. Serpe. Il a pas appelé Brigitte. Mario. Non, bah non. Oh, fatigué. Allez, fin, on pose café, Brigitte. Il y a vraiment des avantages d'avoir un frigo dans sa chambre. Un quoi ? Un frigo. Ah oui. Mec, si t'as pas un frigo, en fait, je me demande bien comment tu vis. Ah, mais je t'ai dit un frigo dans sa chambre. Bah, moi j'ai un frigo qui est dans ma chambre, qui est lui-même dans mon salon, qui est lui-même dans ma cuisine, donc T'as les petits frigos là, petit frigo Red Bull. Quand t'es étudiant, en règle générale, ta chambre, ta chambre, ton salon et ton bureau et la cuisine sont la même endroit, tu vois. L'avantage d'avoir de l'espace en même temps que d'avoir cet endroit, mais bon. Comment ça t'as chaud? Avec la clim un peu. C'est quoi le L4 là-haut? Ah non, ça va. Ce 135. Les sécu civils là-bas. Là. La sécu ça? Non, c'est pas la sécu. Est-ce que t'as vu la sécu toi? En l'air. J'étais plié en deux, il y a. Comment il s'appelle? Il y a un mec qui m'a contacté là pour la vente de mon PC parce que j'ai bien à vendre mon PC. Le mec il me fait oui, je veux bien vous l'échanger contre ce gros PC portable gamer et tout. J'ai vu la gueule du PC, j'ai fait. Alors dans mon PC fixe il y a 500 Go de SSD, et toi t'en as 200. Tu me manges des vents, pourquoi? 24 Go, l'autre tu prends des vents. Il y a 1.5 Tera qui m'en offre 1 Tera seulement, mais il y a un écran en effet. Ouais. C'est un bon PC portable, mais bon. Toi tu te manges les vins. Shifumi. Dédé. Ouais. Chris Lopez il est pas viré encore de la police? Qui ça? Chris Lopez. Non, il le serait. Parce qu'il est bad perm. Et alors il faisait du bon taf. C'est les... On l'a déjà dit et on le répétera encore, hein, par le passé, les problèmes en HRP venaient s'impacter dans la police. Sauf qu'un jour, quand je suis arrivé et qu'on m'a dit, ouais, tu m'as énervé de quoi parce que machin, je leur ai fait, mais non, en fait, tu peux pas sanctionner un mec en policier parce qu'il s'est fait ban, enfin, parce qu'il a eu un avertou ou autre, c'est impossible. La police. Bah, j'ai pas eu ton message. Mais là, il est ban perm. Oui, non, mais il est ban perm, mais il va faire une lettre d'ici moins d'un mois et il se fera des bans. Parce qu'on lui a dit, avec Jackson, on lui a dit, t'as fait le mongol, tu leur aurais pas mal parlé, il y aurait eu sanction, etc. C'est tout, mais il pourrait être là, mais là. Mais il s'est emballé, hein. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Balade. Allô, Martine, oui. Je sais pas, certainement, oui. Oui, toujours, oui, bah oui. Comment ça, bah oui? Tu parles à qui, là? À Martine. Et qu'est-ce qu'elle dit, Martine? Elle dit que c'est Nabil Azarov. C'est moi qui lui ai vendu. Ah, oui. Je l'ai trouvé, il m'a regardé, il m'a fait. Je vous le rachète si vous arrivez à me contacter le proprio. Je fais, ouais, mais il n'y a pas de proprio. Il me fait, ah, bah je vous l'achète. J'ai fait, yes. Certainement, ouais. Je fais, c'est con, là, il n'y a pas de... Bah. Entre vous là. Ah non, j'ai pas demandé à ma femme encore. Et je pense que c'est mort. Parce que c'est notre anniversaire de mariage. Oh bah merde. Ah non, il est pas marié. Merde. Je vais me marier avec Thierry. Non, mais tais-toi. Mais qu'est-ce que tu fais le gay là? T'as dit, on est pas gay dans ces rangs là, dégage de là. Mais si tu te maries avec un mec, je te vire, hein. Je te le dis tout de suite. Ouais, homophobie. Hein? Non. Homophobie. Ah, exactement. Ah non, non, si, bah si, si. Hein. Si, c'est comme avec Mohamed Abad, c'est parce qu'il est arabe. Tout ça parce que je suis arabe! Bah ouais. Peut-être d'ailleurs, moi je sais où ils sont là. Tu vas voir un égalès là. T'es parti? Moi tu sais. C'est qui sont qui? Hein? C'est qui sont qui? Je vais aller voir quelqu'un. J'aimerais bien aller voir mon mec. Mon mec à moi.
Je vais envoyer un message. D'ailleurs, Dédé... Tous les joueurs ALF se sont barrés sur Tirna. Et ALF tourne à combien de joueurs le soir maintenant? Bah full en fait. Ça n'a pas changé. Full, hein. On est toujours full en fait. Là, ça n'a pas changé. Récupérer les bons vieux joueurs. Hein. Voilà. T'en vois, là je te dis, là on a retrouvé Jack Bastio. Putain, quand je l'ai vu, j'ai fait sans déconner. Il a fait ouais, ouais. En fait, on est toujours full. Hein. Ça n'a pas changé en fait. Les hein. joueurs qui sont partis sur Tirna, ils veulent juste gunfight. Hein. Bye bye. Hein. Je vois pas où est le problème en fait. Un mec de la DC qui mais conduit sur ta voie. C'est qui? Asgard Joker. Ouais, Asgard. Ça n'a pas changé en fait. Désolé. En fait, c'est des. C'est bon, après, c'est humain, hein. Je critique pas. Hein. C'est dans la mentalité. ALF a maintenant une sale répute. Et bah, tant pis. Je suis pas là pour polémiquer sur le serveur, tu vois. C'est ma chaîne Twitch personnelle. Une sale répute parce qu'on veut, on veut pousser le RP et que les joueurs veulent juste gunfight et de l'argent, quoi. Au moment. Ça. Oh, faut arrêter. Hein. Oula, oula. Quoi? Salut les gars! Moi j'avance là, j'étais en train de fumer ma beuh tranquille là! Ah ouais, c'est vrai, vas-y, il y a moyen que tu fasses tourner ou quoi? Ah ouais, vas-y! Par contre, c'est de la médicinale, il faut avoir un truc et je prends! Hein. Ouais, t'inquiète! Ouais, vas-y, hein! Tiens, je peux avoir ta carte? Non! J'ai pas envie de donner à n'importe qui, hein! Ah bah c'est pas mon problème ça, moi je te donne pas ma carte! Ah t'es mort, je la garde pour moi! Oh putain, t'es chiant, sérieux! Vas-y! Vas-y! c'est bon, je t'en donne une. Voilà. Une qui dit ça. Par contre, et tiens, tu c'est une latte, hein, tu bah, t'en vends ici ou quoi? Ah non. Tu m'as compté au perso. Hein. Je te l'ai fait goûter, mais tu la fumes pas. Hein. Ah ouais, putain, elle est bonne. Il y a moyen. Ah oh, oh, putain, ouais. Ah ouais, j'en sens bien. La médecine, ça coûte cher. Hein. Oh putain, la vache. Oh la vache. C'est propre ce qu'ils font maintenant. On est bien. Oh la vache. Je m'explosais le crâne tout à l'heure. Ah ouais, elle sent bien. T'as vu ça? Oh, mais c'est quoi la fumée qui sort de ta cagoule là? Non, mais t'inquiète. Tiens, je t'ai redonné la moitié. Ouais, j'essaie, merci. Il est flou. Ouais, s'il y a moyen d'en avoir, on peut passer là ou quoi? Non, 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 franchement, là, je suis pas là-dessus. Hein. Déjà, je me la fournis par une pharmacie. Coûte assez cher comme ça. Une pharmacie? Une pharmacie? Ouais, t'es du genre à faire du hélicoptère, toi. Ah bah écoute, tu vois là. Eh les gars, n'hésitez pas à venir, il y a du trafic de stup là, venez. Il dit pas tout, il est. Quoi, faut pas le dire. Tu vois là, quand tu auras le même collier là autour du cou, là, rouge, on sera frère. Alors là, tu le vois pas sur mon épaule? Non, tu l'as plus. Oh, si. Oh la vache, je suis trop beau. Bah, si vous avez ça. Et eh ben vous serez frère avec moi. Pour l'instant, vous êtes pas mon frère, c'est tout. Voilà. On en trouve de ça. Voilà. Ouais, ça c'est des cailles. C'est. Bah y a le collègue là, ils vendent de la 8 si vous voulez. Ouais. Vous allez voir, c'est de la merde. Ah ouais, d'accord. Ok, t'es comme ça. Bien toi. Sûr, vous en voulez. Ouais, franchement. Ah, bon, bah moi j'y vais. Merci. Ouais, merci pour la 8. Hein. Ouais, t'inquiète. Hein. À plus. Et c'est 400 000. Hein. Ouais, mais c'est de la purple. Merde, c'est de la sang, c'est de la bure. Un gilet pare-balles qui est par terre là. Ouais. Il y avait un gilet pare-balles par terre. Hein. Ouais, tu parles de Tirna, Asgard. Ouais, bah tous les gens qui ont pris des pastilles ou des bannes de Aleph sont sur Tirna. Donc t'as dû entendre ça de là-bas en fait. Oh non! Ah c'est que du gunfight. Bah oui ça c'est dégrade, c'est pour ça qu'on change de virage. Oh putain la vache, j'ai un gilet pare-balles les gars là. Marche pas. Pas le prendre. Comment ça? Ah ouais, je peux pas.
Attention. Toi aussi t'as fumé. Oh ouais, trop bon. Voilà, pour un chien. Il sait pas qu'on est 50 dans ma tête. Quand je dois pour prendre le contrôle. Holy. Bah voilà. Ah, j'ai encore de la marijuana. Ouais, normal, je t'en ai mis, il m'en a passé un. Tu fais qu'est-ce qu'il fait? Tu peux l'utiliser ou pas? Ah ouais, ouais. Peux, ça va te faire des vieux effets. Hein. Oh merde, ouais, putain, je savais pas que ça marchait ça. Mais oui, ça. Ah oh, putain, mais c'est génial, ouais, cool man. Non, mais sérieux, je savais pas. Le prochain qui m'appelle ZLM, je lui casse les dents. 06 si tu as l'audace de me. Oh la vache. Ah, vas-y, Francky, hein, c'est trop bon là. Oh la vache, putain. 06 76 47 99 46. Ouais, je savais pas que ça marchait ça. Oui, c'était l'aime. Putain, c'est trop cool en fait. RDV. Oh, oh le vieux effet que ça fait RDV là. RDV terminal. Hein? Ah. T'es glingue. C'est quoi, c'est la 3D sans lunettes, non? Hein? C'est la 3D sans lunettes. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est génial, je savais pas qu'on pouvait faire attends, ça. On va au terminal. Attends, ils sont champ de tabac. Ils sont champ de tabac. CPA là. Ouais, mais qui te dit qu'il y a des gens? Tu sais que le tabac ça rapporte rien. Hein. Oh la vache. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Il y a les condés, il y a les condés. Salut les keufs. En fait, on peut utiliser. La drogue en fait, c'est les effets de la drogue. Je savais pas, tu vois, ça fait 4 ans, ça fait presque 5. Ça fait presque 5 ans que je suis sur le serve, je savais pas qu'on pouvait l'utiliser. Ah putain, Malong, je l'ai pas fait, je suis con. C'est les effets de la drogue. Si, normalement, Malong est configuré. Entendu sur quoi, toi? Oh putain, c'est. Comment tu sais qu'ils ont quand même d'abord? Envoyer un SMS du gars, perso. Un perso? Nice, bah écoute. J'avais mis des Red Bull dans la voiture, mais tu t'en fous apparemment. Ah ouais? Non, c'est que la weed. Ah, c'est que la weed. Ah non, non, d'accord, c'est des nouveau, des ça, s'il était pas avant. Bah apparemment non. Tout le reste marche pas. Ah d'accord. Le LSD et la meth, ça marche. Si, le LSD et la meth, ça marche. J'ai essayé. Ah bah bravo. T'as essayé. T'es en train de me dire que tu te drogues en fait. Non, non, j'étais pas en service. Bah tu te drogues quand même. Tu te drogues quand même, Igor. On me l'a mis dans le nez, ça c'est pas pareil. Ah ouais, je savais pas. C'est génial. Toi, t'as cru GTA. GTA quoi? T'as cru GTA Caris, frère? Tourne à droite. Sinon, ça, tu roules ou tu roules pas? Bah, je viens de recevoir un message d'un mec qui me dit: oh, calme-toi, je suis pas Caris, moi. T'es pas Carismo? Ouais, Caris. Ah. Et le ok, rappeur, c'est bon, j'ai demandé un indice, c'est que Chant Tabac confirme. Et c'est où le Chant Tabac? Sur la croix que j'ai fait sur carte. C'est parti pour du raffinerie et du raffinerie. C'est parti pour du rallye, les gars. C'est juste parti. Et c'est génial. Y a moyen de faire du sacré RP avec ça. Quoi? Avec la drogue. Non, parce... En fait non, malheureusement non, parce qu'on n'a pas de... Déjà il faudrait que les gens fassent genre qu'ils sont vraiment... Ah oui. Sous l'effet de la stup si jamais ils en consomment, et il faudrait qu'on ait un niveau de stup dans le sang, tu vois. Sauf que bah à l'époque il y avait le niveau d'alcoolémie et Jackson l'a retiré. Parce que personne n'utilisait en fait. Je trouve ça dommage. Avant t'avais un gramme par litre de sang et je trouve ça vraiment dommage qu'on l'ait retiré. Sur rallye de Gine. Ouais, c'est confirmé, c'est bien du tabac. Hein. Un indique. Demande à deux indiques différents pour avoir une info sûre. Je suis en train de galérer. Ah, c'est lui. Attends, garde l'en visu. Garde l'en visu. C'est lui? Je demande à Yuga. Camion vert. Oh, tu mania, papa, tu les bois. Namata. Si tu me reçois, c'est lui.
Ok, c'est parti. Allez, on fait les rebelles. Allez, on attaque à la rebelle. Ok, quittez la zone, restez à distance, on va faire les rebelles. C'est bien pris, si on a un problème, vous me spammez radio. Ah, si. Comme ça. Comme ça. Mais pas comme ça, ça me casse les oreilles, ça me déconcentre. Arrête-toi. Ça, c'est un civil. Contrôle rebelle, arrête-toi. Contrôle bandit, arrête-toi. Arrête-toi, je te dis, arrête-toi. Arrête-toi, contrôle bandit, là. Arrête-toi. Salut fiston. T'as quoi dans ton camion? Mais je voulais quoi les gars? Bah on veut te braquer, tu crois quoi? Vous voulez me braquer? Bah oui. T'as cru qu'on allait te faire la bise et on te racontait des histoires et toi les mains se passer. Bah ouais c'est ça en fait. Bon allez, t'as quoi dans ton camion? Vas-y regarde ce qu'il y a dans le camion, vas-y. Mais donne-moi les clés. Mais il est ouvert les braqueurs, allez-y. Ah mais bah non mais t'es pas l'idiot. Bah oui. Merde. Vas-y, braquez les gars, braquez. C'est un plaisir. C'est vrai? Il est vite ton camion, c'est génial. C'est bon. Non, non, maintenant tu vas me présenter ta pièce d'identité. Tu veux ma pièce, vas-y. Ouais. C'est des vrais braqueurs ça. Ouais. Merci, tu mets les mains sur la tête s'il te plaît. Attends, je... un peu trop le malin avec nous, toi. Ouais, un peu trop. Ouais. C'est normal en même temps, bien sûr. Pourquoi? Vous avez vu comment vous êtes présenté hein. Bah ouais, bonjour, arrête-toi. Ah, 12 010 euros sur lui. Bon, bah c'est bien, fiston. Félicitations. Bon, allez, bon courage. C'est bon? Ouais, c'est bon, salut. Super. Il aura pas été rentable celui-là. Non. LDC. Putain, mais c'est quoi ça? C'est PA camion vide, hein. Super info. T'en as d'autres des infos comme ça, Alex ou... C'est CPA qui m'a donné l'info. Hein. Ah ouais, bah, marche bien. Le pire, c'est que Kimi Watt dans son. Putain, c'est les scorpions à l'ADC. C'est les scorpions. Scorpion à l'ADC? Si. Comment tu sais? Une transmission. Dimitri Abarovic. On est bon. Il est recherché lui ou pas? Non, il a un bracelet. Enfin, ici, peut-être recherché aussi, il mais. Recherché. Il est recherché pourquoi? Il y en a un qui vérifie? En train de conduire. Check ça. Du coup, là, le mec qu'on vient d'arrêter, merde, c'était à droite, il se croit pas. Parce qu'il est placé, il faut ramener en prison. Le mec qu'on vient d'arrêter, là, il a déjà un casier judiciaire et tout pour conduite de fraude, détention de stupéfiants. Ah ouais, mais là, c'est il a rien. Un peu flagrant. Ouais, bah, je trouve ça un peu flagrant. Le CPS s'excuse. Ouais, dis-lui ils sont nuls. Scorpion qui vient d'enlever. Transmets-moi s'il te plaît. Hein? Réponds pas au message. Oui, gars. Pax. Hein? Pax sur l'ADC. Il y a toute la police qui. Y'a toute la police qui s'y rend ou comment ça se passe? Ouais. Bon allez on y va. On se met un petit peu à l'écart en TE, comme d'hab. Hein. Y'a un otage. Ah. Très bien. Ça suit le cours de l'histoire et c'est bien. Ah, il faut qu'ils s'améliorent dans leur. Hein? PA. Tu vois, les rebelles, ils ont compris. Les gens commencent à comprendre. Ça me fait plaisir. C'est bien, Franck. C'est bon, c'est bien. Et puis là, en off-côte, c'est vraiment une quille. C'est toi qui a une quille aussi. Il glisse trop, tu peux pas freiner. Il freine tout droit du coup. J'irai. On l'a plein sur Scott, on est où là? Hein? La quoi? La plainte sur Scott, on est où? Je sais pas.
Bonne question, mais... Ça compte parce qu'en soi... C'est aussi eux qu'on cherchait apparemment, ce que je comprends selon Scott, il m'a dit, mais... Il faudrait qu'il fasse sa déposition. Aussi. Attends, attends, il y a toute la police sur la DC, là. Bah oui, bah on se met à l'écart, c'est pas grave. CPA de DD. Ah, sur la colline, monte sur la colline à droite. Vous pouvez me faire un petit check aux alentours de la DC sur les collines, voir s'il y a du pack posé ou pas. Putain, oh putain, ça frise. Bah, il est déjà au-dessus de l'N4. Oula, oula, oula. Puis l'N4, tu peux pas DD, il suit l'N4. Ah, il suit vers l'N4. Les personnes sont parties. Apparemment ils ont enlevé quelqu'un. Hein. Putain. Vous pourrez pas monter là-haut, ça sert à rien. Bon, ouais, ça va, tu vas te calmer toi. J'ai essayé. De CP1 et de retour sans zone, je vous fais un check. Ah, je sais pas, il reste des packs à la DC ou pas? Négatif. Qu'est-ce que tu fais dans le MOOC? Dans le MOOC? Ouais, si. Et il est parti dans le MOOC. C'est le bracelet. Bracelet Dimitri. Dimitri à Barivo. Niveau de raffinerie de pétrole dégradé là sur l'île centrale de l'Alt. Ah si, c'est ça. Pourquoi j'ai des mecs comme ça là? Moi ce que je comprends pas, c'est que t'as 2-3 agents de sécurité plus des marshals qui ont rien. Ah, c'est pas leur boulot les gars, ils sont marshals. Hein. Bah, au moins les agents de sécurité, protéger des civils. Ouais, mais ils sont limités quand même. Plus... Ils risquent pas leur vie non plus tout seuls, les gars. Et le fait d'atteindre dans la DC, c'est pas censé être une zone inviolable? Si. Parce qu'apparemment, ils se sont fait atteindre. Ils ont atteint à l'intérieur de la DC. Donc... Ah. Ah, mais s'ils ont commencé quelque chose en dehors aussi. Ouais, c'est un peu chaud. C'est inviolable, c'est sûr, comme la cavale. Hein. Bon, on attend la revendication. Sur une PO, va falloir qu'on commence à bouger. Une PO à 40, hein. Une PO 23h40, jamais de la vie, fonce. Non. L'exécution, alors, je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'à mon avis, il y aura un message qui va être très clair de la part de ce groupe. Non, mais du coup, s'il y avait rien avant, ça reste quand même une zone violente. Ça, à ce niveau-là, ouais, la fille. Mais du coup, qui est la personne qui vient de se faire enlever là? Un marshal plus deux civils. Identification du marshal et nom des civils. Je demandais les noms. Ok. Allez, tu es les autres de la police là. Ils ont donné enlevé. Reçu. Allez, vous préparez au cas où on reçoit un appel. On attend les ordres de CPR. Reçu. Contacte le CPR en langue, les ont en visu. C'est Mohamed Abad hein, qui s'est fait enlever ainsi que ses collègues là qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Mouchoir ? Ouais, PO en cours, un mec qui s'est fait prendre, un marshal qui s'est fait prendre en otage. Enfin, avec deux civils. Les CPA, du coup, je disais, ils sont repartis en mode kit, c'est-à-dire ils sont pire gosses. Reçu, bah continue à suivre. Hein. Reçu, continue à suivre, les lâchez pas. C'est bien pris. Jusqu'à ce que ils ont un message téléphonique.
Jeff, nous pour Syrah, on va se rapprocher de la zone niveau Pyrgos, les lâchez pas tant que vous avez pas de message. Je reviens. Jeff pour les unités. Transmet. Envoyez-moi des unités niveau de Tyrgos et rapprochez-vous de l'Est un peu. Restez pas tous paquets à Negades, on est tous à Negades. Ouais, c'est reçu, on se dirige en direction de la paix avec l'extrémité en équilibre. Ils vont à la chapelle. Bien pris. Ils vont à la chapelle, c'est sûr. Ils vont exécuter. Ouais, c'est bon, je suis de retour. Alors ? Ils vont à la chapelle, je pense qu'ils vont les exécuter. Lâchez le Merlin, merci. C'est quoi le Merlin ? Le Merlin, c'est le nom du Mohawk en fait. Tiens, Merguez, c'est pour toi. Le Merlin, c'est le mot. C'est eux, c'est ça ? Aidez, attends-toi à aller dans le. Ah, hein, payer les lingots. Hein. De quoi ? Il va falloir que t'ailles payer les lingots à VZ après. Pourquoi ? Ah, ici leur banque. Je sais pas, j'ai pas le message. Possible qu'ils aient stocké aussi ou alors qu'ils aient tout simplement pas volé les lingots. Hein. J'ai pas le message, moi, je peux pas savoir. De toute façon, je suis le seul admin, tu vois. Il y a Yuga, mais Yuga il est. Je sais pas, ça se pose sur l'île de la banque, je répète, sur l'île de. C'est reçu, n'oubliez pas, si jamais ils abattent quoi que ce soit au niveau des civils, c'est feu vert pour vous. Ah, les civils ils sont menottés, donc c'est feu vert déjà. Hein. Ah. Quelqu'un prend contact avec les preneurs d'otages. C'est bon ? Prends. Allez, tu leur dis de s'écarter là. Syrah de CPA pour CPA. On se mettait. Prenez note du message, écartez-vous du coup. Prenez conséquent. C'est bien pris, c'est ce que je fais. Il y a un qui répond au message qui dit nous attendons votre lieu de négociation. Je m'en occupe. Ils sont sur la. Déjà, ils sont sur l'île de la banque, hein. Ils ont rien à foutre là-bas. D'accord, pour Viper. Viper. Transmettez. Pour information, nous avons récupéré un Strider full équipé médical et à l'AVA. On a été dépêché de là parce qu'on n'a pas eu le temps de transiter, etc. Il est ouvert, donc attention. Et qu'elle est encore ouverte ou pas la barrière ? Elle peut pas être ouverte, hein, elle s'ouvre pas celle-ci. Hein. Si, elle peut pas, si, elle peut s'ouvrir. Si, mais comment on l'ouvre ? Et en fait, quand la banque elle est explosée, quand la banque est explosée, normalement, les rebelles peuvent l'ouvrir en gros. Neg, c'est pas possible. Si, ah oui, si, mais faut appeler un comme lui pour l'ouvrir. Ah non ? Mais non, ouais. Mais non, n'importe quoi, sinon là il pourrait l'ouvrir si jamais il fallait appeler un. J'ai déjà fait des banques, elles s'ouvrent pas. Moi je sais que Jackson il m'a dit pour ouvrir la banque c'est tu fais exploser et ensuite de ça une fois que ça a explosé tu peux venir ici ouvrir seulement si t'es rebelle. Il faut que le truc il ait explosé ou alors que ce soit pendant que la charge a été mise. Elle s'ouvre pas, elle est bug, il a raison Lopez, ça s'ouvre pas, faut se TP. Ah d'accord. Ah bah je savais pas. Moi je pensais qu'on pouvait, c'est pour ça que j'ai pas répondu au message en fait. Et merci bien de vouloir dégager cordialement la direction, il me répond le mec. Direction, il est fou, lui. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est bon. Moi, je pensais que ça marchait. C'est pour ça que je m'en suis pas occupé. Sinon, j'aurais ouvert. Normalement, Jackson, il aurait. Bah, du coup, on fait quoi ? Je suis en train de négocier pour la ville de Tal. Ouais.
Ça c'est la sécu. C'est qui eux? Moi je savais pas qu'elle était bug, moi. Moi je pensais qu'elle était encore open. Bah c'est bien, mais nous on veut avoir un instant tranquille avec le civil. Jamais de la vie. Je screen tout ça et je t'envoie ça, hein, parce que là franchement... Ce serait bien en fait, c'est con, c'est que là on a aucun moyen de passer en fait. Ils sont où là en fait? Derrière le mur, au niveau de la banque, pas loin de la banque. Ah ils sont sur... C'est con, en tant que policier on devrait pouvoir ouvrir la porte, quoi qu'il arrive, même si tu sais, même si c'est les buggy woot. Ah non, je savais pas moi qui a été bug la porte. Moi non plus, parce que Jackson la dernière fois qu'il m'en avait parlé, il m'avait dit qu'elle était opérationnelle et qu'il savait juste pas l'ouvrir. Ah, moi je crois pas, mais allez, c'est trop pas que ça... CPA, vous avez un visu dessus ou pas? Mais c'est pas la fille, j'ai visé dessus, on dirait les otages. Ok, bah vous regardez, vu qu'ils veulent pas rentrer en négociation, vous regardez s'ils exécutent. S'ils exécutent, on les traque, on les chasse et on les enferme. C'est bien pris pour information, ils ont un Mohawk, ainsi qu'un minbar qui vole, un autre minbar au sol. Au sol? Affirmatif, un minbar de son ancien. Ok, vous me faites une com' longue pour toutes les unités de police, en Strider, on y va. Otage mort, otage mort. Il vient de me confirmer. Bon, un otage a été abattu? Ouais, si. Bah non. Il vient de me le dire. Le Jeff pour CPA. Jeff pour CPA urgent, apparemment l'otage aurait été abattu. Vérifie bien cette com et cette information, et sinon, bah si c'est vrai, abattez. Reçu l'onglet. Ouais, CPA pour information annulé. Annulé quoi? Annulé la PO, ce qui paraît, c'est pas très bon ce qu'ils ont fait. Bon, ce qu'ils ont fait. Bah en gros les mecs ils les ont pris en safe zone donc oui, à mon avis oui ça partait d'un mauvais problème. Oh les scorpions c'est bizarre. On fait quoi là du coup là? Il se passe quoi? Je comprends plus rien. En gros si tu veux, vu qu'ils ont pris dans la DC, ce oui. Qui est une zone inviolable, et oui, ben ils les ont pris, ils les ont emmenés là-bas. Sauf que là ils les ont butés, sauf que du coup bah ça va pas, donc les mecs ils ont été se plaindre et là ils ont abattu l'otage mais ils ont été ah, ouais. Parce qu'ils étaient pas censés prendre dans la DC en gros. Ok d'accord, c'est bon, allez on se casse. Voilà, donc là c'est déjà en problème, enchaîner le problème, donc c'est bon t'inquiète, c'est réglé. Ah ouais d'accord. Oh bah du coup pour CPA on décroche le sirène. Le scorpion. Bon allez on bouge, y'a plus de PO. C'est pas grave, ils ont essayé. T'as vu qu'il y a pas les dits, va ranger ton VL, t'as un M200 dedans. Ok. Ouais, va ranger ton VL, ouais. Bah ça rousse hein. Tu déposes le RPS dedans. Oh, un petit con qui m'a pété à mon RPS. Mais non, je t'ai. Ah bah, on a cassé. Oh bah. Bah, non, on a pas cassé. Comment ça, non? Bah, non, regarde, on a pas cassé. Bah, putain, c'est pas ce délire, non? J'ai pas d'habitude de casser. T'es pas pété à ton RPS, Jeff. Je t'ai déséquipé ton arme, c'est pas pareil. T'es pas pété à ton RPS, je t'ai déséquipé ton arme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah là je viens de prendre ton arme, j'ai pris ton arme, j'ai déséquipé ton RPS et j'ai reposé l'arme. Pour pas que tu perdes le LRPS. On dit merci. Merci Jacky. Non. Merci Dédé. Ah merci Dédé. Merci le colonel Dédé. Mais maintenant il a l'habitude hein, c'est pas juste. Je lui dis vous êtes pitoyable comme rebelle. Il me dit je vous retourne le compliment monsieur. Ah de les agresser comme ça. Ouais laisse les. Déjà ils sont en tort avec leur connerie, il va pas les enfoncer encore plus parce qu'ils seraient capables de retourner le truc contre quoi. Ouais. Ok j'ai dit qu'il était pitoyable et je l'ai dit avant que l'action. Oh, avant qu'on sache que l'action était pas legit. Oh là là, les jeunes là. Join. Bah désolé, j'ai pas fait exprès. Ah, hein?
Ouais, c'est ça. C'est pas grave, je vais aller voir ça après dans les channels. J'ai pas envie que voilà, ça se passe mal. Ils essayent des choses et ça me plaît. Ça part d'une très bonne intention à la base, donc. C'est ça qu'il faut voir, les gars. Scorpion, ils se plaignent sur des actions, mais ils ne font aucune action. Ouais, ils essayent de faire des choses bien, mais ils n'ont pas l'expérience en fait. Voilà, ils n'ont pas l'expérience de. Et donc, du coup, ils font des erreurs. C'est rien de méchant en fait. Tu vois, c'est pas comme une action engagée volontairement. Alors, tu sais très bien ce que tu veux en fait. Tu veux défoncer du flic ou tu veux du gunfight. Voilà, c'est pas ça en fait. Là, ils ont essayé de. Ils veulent créer des actions. Et. En réfléchissant, et ça c'est bien, ça j'aime bien, ça c'est du RP. Tu réfléchis à ce que tu fais, tu sais les conséquences, mais tu essaies de faire les choses bien. Voilà, ils sont plantés, voilà, c'est pas grave. Tu peux pas leur en vouloir, ils sont plantés. Voilà. Créer des choses pour gunfight, pour le plaisir de gunfight, pour les papillons dans le ventre, on s'en bat les couilles. Ça c'est nul à chier ça. Ça c'est pas du gunfight, c'est pas du RP ça. Réfléchir à une action RP, oui, ça c'est intelligent. Ça, ça me plaît. Merci. Oh. Oh. Moi, je descends parce que lui, il est fou. Ah non, je peux. En gros, c'est ma... Non. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. En fait. Jason, il est là ou pas? Ah, il est trop loin, ma voiture. Non, il est pas là, Jason. Non. Oui, oui, je t'entends. Mais est-ce que tu as rangé la batteuse? Bah, ça va finir chez les amis, c'est sûr. Parce que là, j'ai déjà eu un POC, hein. Donc il faut que j'y aille. Il est où, Jason, là? Il est pas là? Comment ça? Il est là. Non, mais ils sont montés avec toi. Parce que j'en ai beaucoup sur moi. T'es pas en jeu? Non. Tu les agrailles? Ah non, il est pas en jeu. Ah putain. Bah, si, il était en jeu, il m'a parlé radio tout à l'heure. Ouais! C'est ton VL! Ah merde, c'est ma voiture. C'est pas la mienne. Bon bah merci pour la M200. Eh hey, oh, oh hey. C'est monsieur ou c'est madame qu'on t'appelle toi? C'est madame. Ah c'est madame, d'accord. Encore. Encore une. Non mais je te repose la question. C'est pour savoir si tu tiens le même discours en fait. En tout cas moi je préfère en fait, Mounier. On a déjà une fille, on a déjà une fille avec des cheveux rouges. Mais Mounier elle est pas bien habillée. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des cheveux violets la prochaine fois? C'est pas dans le projet. Une petite couleur. Vite fait. C'est quand même moi le colonel, je vous autorise toutes les couleurs sauf le blond. Ah, c'est le problème. Quoi? Je vois ça avec mon coco. Octavia! Viens sur le toit, s'il te plaît, deux secondes. Octavia! Octavia, tu te rappelles quand t'es arrivé? Je t'ai bien dit, je veux toutes les femmes dans des cheveux de couleur de cheveux, de couleur sauf blond. Voilà. Tiens, je te raconte pas de conneries en fait. Pourquoi elle est blonde? Pourquoi elle est pas dans une chouette tenue? Et pourquoi elle m'emmène pas le café à chaque fois que je viens? Et ah, pourquoi quand je l'invite dans mon bureau, elle vient pas? Dédé, tu peux monter sur le toit de moi, s'il te plaît? J'arrive. Ça merde. Pas sa mère. Aïe, aïe, aïe. De quoi? T'es où? Sur le toit. Ah ouais, non mais... Ouais. C'est bon. Ok. Ok. Voilà, t'as tout compris. Parce que t'as pas le droit de prendre en otage un mec de la sécurité civile en fait. Bah ouais. Bah oui, t'as pas le droit. Ah bah y a pas de PO alors. Hein? Ah bah après il se débrouille. Chacun. Yeah. Ah ouais. Bon ok. Bah allez, on va dire bye bye parce que c'est pas tout ça les gars. Mais notre journée de travail elle est finie.
Bye bye. Bye bye. Ouais, j'arrive, j'arrive, les gars. Bon! Voilà, le 20h minuit, le rendez-vous journalier 20h minuit terminé. Merci beaucoup à tous d'avoir été encore tous nombreux, comme tous les jeudis soirs, pour la promotion canapé de la police. Vous êtes toujours très nombreux pour pouvoir mettre en place des actions derrière. C'est pour ça que vous êtes là sur mon live le jeudi soir. Merci à vous, ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux follow. N'hésitez pas à follow pour ceux qui n'ont pas encore fait. Faites comme eux, suivez le move, on est très nombreux. J'aimerais juste que vous fassiez bien la différence entre le serveur et ma chaîne Twitch, c'est deux choses différentes. Les opinions que vous avez négatives ou positives, c'est vos opinions, on a le droit d'en parler, tout à fait, je ne critique pas là-dessus, mais c'est deux choses différentes. J'aimerais pas qu'on mélange moi, membre staff, et ma chaîne Twitch. Voilà, tout simplement. Merci à vous, merci aux nouveaux subs, merci Zach pour avoir sub, c'est super plaisir, ça fait super plaisir que vous me soutenez. Merci aux donateurs, merci aux resubs de Merguez pour son deuxième mois consécutif. Merci aux nouveaux follow, je vais les énumérer quand même un petit peu, parce que je le fais tous les soirs, c'est normal, c'est la tradition. Et la tradition, il faut la garder. Merci Steve, merci Stéphane, merci Yous, merci Mister Xfox. Ah, toi, je t'ai oublié. Merci à toi. Merci Romu. Merci à tous d'avoir présent. Merci beaucoup. Faites vibrer le chat comme vous faites toujours. Animez-moi la chaîne, c'est tout ce que je vous demande. Respectez-vous les uns les autres. Faites-vous l'amour, pas la guerre. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Sortie couvert. À demain, 20h minuit. Ou sur YouTube pour R6 Apex, LOL ou autre jeu. N'hésitez pas. Point d'exclamation Discord pour nous rejoindre, pour voir la vidéo en ligne sur YouTube, pour me rejoindre sur les escouades R6 et Apex, et surtout avoir les notifications en direct du début des lives YouTube et Twitch. Voilà mes amis, je pense que j'ai tout dit, j'ai oublié personne. Ben, voilà, cette fois c'est la bonne. Bonne nuit, bisous tout le monde, à demain comme d'habitude. Ciao, ciao. De fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.